Ouais. Viens, viens, viens. Viens, man. Salut, man. Tu vois, tu tapes la discute avec. Ouais. Et tu fais démarrer, tu vois. Hop. Oh, man. Oh, t'as vu la meuf là qui travaille. T'as vu, ici, y'a trop de meufs qui travaillent. Tu sais, ça, je peux travailler ici. Oh, ouais, man. T'as un charo, man. Ouais. Tranquille, man. Bonsoir tout le monde. Tac, je vous mets le live. Ouais, il y a du monde ici là. Ah bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ah monsieur. Ouais, ça va bien. Attends, de me contenter. Alors déjà que c'est la première fois que je fais de la couture, tranquille. Ah, vous inquiétez pas, hein, c'est. Bonjour. 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 Man, t'inquiète, man. Gros, j'ai un centimètre d'eau dans mon corps. Oh. Man, t'inquiète. Bon, t'inquiète, man, t'inquiète. T'es insolite dans la vie. Man, je vais tomber, man. J'ai peur. Ah. Salut tout le monde. Salut. Bonsoir. Ouais, bonsoir, les gars. Ah. Ouais, j'ai bientôt. Ouais, oh, non, merde. Pas le compte. Ah. Ah, je vous fais une petite. Vous êtes au même endroit que moi? Madame? Je vous fais une petite place, venez. Je vais attendre que vous finissiez. Non, c'est bon. Ouais, je suis un travelo. Putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de banque ici.
Ouais, j'étais 4, ça vaut quoi? Bah, ça va nickel. Hein. Oula, j'ai un peu bugué, je viens de me réveiller. Non, T4. Il y a quelqu'un de blanc et en fait non, en fait on a une chaise pour deux en fait man, pour ça. Ouais, ça je sais, mais y en a un qui est blanc, non? Ouais, y a un blanc et moi je suis un peu plus bronzé. Ok. Vas-y man, je t'attends en bas. Vas-y man. Oh quoi? Tranquille? Oui, ça va et toi? Ça travaille bien quoi? Ouais, on essaye. Hein. Travail dur hein, eh ouais, le temps c'est du travail mon pote. Ah, pas grand chose et toi T4. C'est un bout de temps wesh en vrai. Allez salut, je vous crosse tous. Ouais, par contre fais pas la petite course. Voilà. Appelez madame. La patronne elle veut pas que tu fasses la petite course. Ah ouais? Oui. Ah ouais, on peut pas? Ouais, non, sinon tu vas prendre un visa défilé. Ah ouais, oh merde. Ah ouais, du coup, ouais. Du ouais, coup, c'est pour le ça ouais. Évite, tu vois. Ah ouais, ok, je vais déjà être évité, ouais. Pourquoi il s'est passé quoi, man? Ouais, man. Ouais, vaut mieux pas courir vite. Ouais, je sais, T4. Vous êtes tous morts, j'ai l'impression. Et man, les t-shirts qu'on a, on peut les donner, enfin. Ah non. Oh, c'est un peu cruvard, ça. C'est pour la patronne, tu vois. Donne-moi oui, 3-4. Ouais, allez-y, monsieur, vous avez de la place, vous avez un peu de place. Attends, je vais juste en faire une démarche classique, voilà. Attends, je vais voir si c'est bon. Ah, voilà, bien. Voir si t'as un peu d'eau, man. Ouais, je te donne un peu d'eau, man. Vas-y, merci, man. Par contre, il m'en reste 4, hein, man. T'inquiète, man, donne les 4, je te rembourse. Ah, moi, après, j'ai plus d'eau, man, je vais mourir. T'inquiète, man, t'inquiète, man. On en donne 2 parce que moi, aussi, j'ai soif, là. 2, vas-y, man. Parce que là, j'ai aussi soif, man. T'es ouais, sûr que tu t'es trompé là, tu les as jetés d'allier le temps. Oh merde, man! Prenez ma nappe! Attends, ils plombent, ils sont là devant. Voilà. Ah, c'est bon, je les ai ramassés. Oui, vous êtes nouveau en ville, les gars, non? Ouais. Moi, oui. Moi, ça peut m'installer, mais quelque chose là. Bon. Oui, voilà, j'ai fini. Ouais, merci. Et non, j'aime pas trop, on se met sur mes genoux. Je stream sur YouTube aussi maintenant en même temps T4. Ah oui, il a glissé le pauvre. Il s'est pris le conteneur. Oh, j'en peux plus.
Ah, y'a un taxi là. Ouais, il est parti avec la meuf là. Ah ouais, le taxi. Ouais, mais. Vous êtes sûr que c'était une vraie meuf ça? Hein? Vous êtes sûr que c'était une vraie meuf elle? Pourquoi? Ouais, elle avait une voix assez spéciale. Hein. Ah ouais? J'ai trop. Ouais, c'était un enfant dans son corps. Ouais, elle avait plus. Un timbre de voix un peu grave quand elle plenait pas la voix aiguë, mais. Ouais. Ah, ça se trouve. Ah merde. On sanglote, hein. Ouais, hein, c'est. C'est chaud, c'est chaud. De toute façon, j'ai une autre meuf en vue, t'inquiète. Parce que quand je suis passé, j'ai dit bonjour à tout le monde, elle m'a répondu bonjour, j'ai eu un peu peur. Bonjour. ah ouais. Moi, au J'sais début pas, aussi, j'ai eu un peu peur, mais après, je me suis dit, vas-y, c'est normal, t'inquiète, c'est un dur problème. Man, après, je vais aller, je refais encore un carton, man, et ensuite, j'arrête un peu, histoire de découvrir d'autres choses dans la ville. Ouais, oh, t'as raison, man, t'inquiète. Moi, j'ai pas travaillé direct le premier jour, hein. T'inquiète, c'est normal. C'est. Ouais, la couture, c'est l'un des meilleurs métiers. Hein. Ouais. Tu vois, je t'ai dit. Hein. Après, vous avez genre le chauffeur le poids lourd. Mais. Ah, mais c'est pourri. Après, il faut payer le camion 500$. Mais nique ça. Non, même. Ça, c'est la caution, mais. Sans compter ça, faut prendre le permis si tu veux être un peu plein en règle. Et voilà. Si tu respectes les limitations, par le compte, tu mets l'oiseau là. Ah, voilà. Tu vois, c'est, je t'ai dit, c'est le meilleur. C'est donc le meilleur. Après, faut juste pas se faire l'attraper, quoi, c'est tout. Voilà. Bah, mais en général, c'est en ville ou c'est sur l'autoroute? Ouais, ça dépend. Ok. C'est un peu dans le nord, un peu en ville et tout. Après, les chauffeurs, ils se font souvent blaquer aussi. Hein. Ouais. Ok. Je me suis fait braquer hier. Ah ouais, bah voilà. Et vous avez combien sur vous, man? Moi? Ouais. J'avais 200, mais ils m'ont pris 50. Ah ok. Oh, ça fait quand même chier. Ouais, il y a plein les blackles, ils ont pas le droit de vous plaindre plus de 50% de votre argent liquide. Bah après moi il m'a pris mon lame et mon couteau donc bon. Ouais, bon là c'est sûr que ça fait chier mais. Ah bah ouais. Ouais. Vous savez comment on peut faire pour avoir des armes? On est obligé d'avoir le PPA, tout ça. Ça ouais, non, tu vas l'allumer, tu l'achètes. Après faut juste pas que tu te fasses attraper avec, c'est tout. Ouais. Après ça dépend de ce que tu veux. Le man, vous avez peur de vous asseoir à côté quoi? Ouais, non, j'aime pas trop avoir un homme sur mes genoux ou ça soit non, sur les genoux d'un homme. Non, mais t'inquiète, man, non, tu vois, je te fais de la place à côté, man. Ouais, non, c'est bon. Fini, t'inquiète. Ouais, histoire de place, man. Hein. Mais au pire, mets un peu ton colis sur ma table, man, parce que c'est trop lourd à force. Non, tranquille. Ok, man, ça se voit, tu pousses à la salle, toi. Mais ils sont pas lourds, quoi, les cartons. Et c'est rempli de tissu, c'est tout. Ah, ouais, mais y'a trop de tissu, man. Ah ouais, man. Mais c'est vrai, man. Ah, je suis pas habitué moi à pousser comme ça. Ah ouais, man. Bah ouais. Que t'étais à la salle, man. Bah non, man. C'est une image. Ah ouais, man. Sinon, je suis un fragile en vrai, man. Ah ouais. Allez-y, monsieur. Merci. Vas-y, viens, c'est le minimum. En fait, Ron, là, maintenant, c'est marqué, vous avez terminé. Ça marche, vas-y, bon app, t'es 4. Et je sais pas où ils sont, tout le monde, au fait. Votre truc, tu vas découvrir quoi, man? Bah, je sais pas, peut-être à Munition pour voir tout ce qu'il y a, tout ça. Yo, Léon. Ça va ou quoi? Ah, la couture c'est la vie gros. Non je rigole, non c'est que bah là après c'est les fêtes et tout, du coup les patrons d'entreprise ils sont pas vraiment là. Et les seuls qui recrutent un peu en ce moment je crois c'est les taxis, j'ai pas envie d'être taxi quoi. Ouais ça va tranquille moi. Je sais pas T4, mais tu sais qu'ils ont sur BS T4 ils ont tout rechangé genre.
Ils ont enlevé les masteries et tout, ils les ont remis. Ils avaient enlevé les anciens grades, ils les ont remis. Ils ont remis les clans wars aussi, apparemment, je crois, sur BS T4. Je l'ai ouvert il y a pas longtemps, voir comment c'était. Ouais, après, c'est toujours Bloodshot, hein, c'est toujours de la merde, de toute façon, mais. Melko, c'était pas un des gérants, T4, hein. C'est un employé. Et au fait, Léon, je sais pas si t'es encore là, c'est bon, j'ai trouvé comment stream sur Twitch et YouTube en même temps, en fait. Ouais, toi, le seul moyen, c'est de jouer sur un autre PC avec un autre compte, mais c'est Blackshot, c'est de la merde, de toute façon. Le staff, c'est des branle-couilles, frère. Ah, il est toujours là. Le chevreuil sauvage. Ouais, mais en vrai de vrai, en fait, c'est tout simple, Léon. Ouais, je me doute. Et moi, je suis souvent sur les exilés, donc. Faut que je fasse ma waitlist, je sais, me le dis pas. Après, le truc, c'est que je pensais pas que sur les exilés. Non, je vais venir sur Phoenix, mais en fait, je pensais pas en venant sur les exilés, tu vois, que le serveur allait être déjà bien, bien niveau dev, etc., tu vois. Et je pensais pas qu'on allait commencer à faire un groupe aussi vite avec des gens et. J'ai pas envie de partir et de laisser tout le monde comme ça, tu vois. Ta gueule, Malia. Patronne de Meld. Va te faire l'enculer. Eh, au fait, je sais pas si t'es encore là, Léon, mais. Ouais, je sais que c'est bien dev, c'est pas ce que je dis, Léon, je m'attendais pas à ça pour un serve free access, tu vois ce que je veux dire. Bah toi-même, t'as vu, t'as été dessus. Mais j'essaye de les amener, mais on a tous commencé un peu notre RP sur le serve et du coup on veut pas partir comme ça, tu vois. Mais je vais voir avec eux si on commence à crever RP ou quoi. De toute façon, je vais voir avec eux pour qu'on vienne faire un truc sur. Non, mais même plus que ça, vous étiez 40 à un moment donné, je crois. Un peu plus de 40, je crois. Léon. Mais ouais, je verrai avec eux et comme ça, si le jour où on crève ou quoi RP, de venir directement, là on a déjà un groupe et tout, et d'arriver sur Phoenix tous ensemble. Et déjà de se faire des persos qui se connaissent, tu vois, et de se faire déjà peut-être un début de groupe, de faire un début de dossier et tout.
Et ouais, je voulais te demander, tu sais, genre, quand tu fais ton stream sur YouTube, là, moi, quand je regarde les paramètres, ça me dit que la rediff, elle va être disponible 12 heures après. Enfin, genre, elle sera disponible que pendant 12 heures. Et genre, tu peux pas le mettre plus longtemps que ça, la rediff? Tu peux pas faire qu'elle soit permanente sur YouTube? Ou faut que tu la recordes pour la upload? Hein? Ils font de la mettre durant la journée verte, donc ils en font à vélo. What? Les mecs qui font de la mettre à vélo, c'est pas mal quoi. En ce moment, ah ok, j'avais mal compris alors. Ouais, tu peux pas faire 12 heures d'un coup quoi. Enfin, plus de 12 heures. Si t'arrives à 12 heures de stream en un seul stream, tu coupes ton stream en gros et tu le relances quoi. Ah, parce que moi je sais pas, il y a marqué je sais pas quoi, il y aura les VR ou je sais plus comment ils appellent ça là sur YouTube seront disponibles que pendant 12 heures après la fin du stream. Après je sais pas si les conditions changent avec le temps, tu vois ce que je veux dire, genre suivant aussi le nombre peut-être d'abonnés ou quoi, ou des conneries comme ça, Léon peut-être. Putain, il parle pas l'autre à la couture là. Je m'en fais chier la bite. Faudra que je relise ce qui a marqué, mais ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et hier soir, on avait le démon, nous, genre, on a voulu braquer un peu, genre, les mecs qui font camionneurs et tout dans le nord, Léon. Et t'en croises tout le temps des camionneurs. Bah là, crois-moi, on a tourné pendant 2 heures, on en a croisé 0.
Et à un moment donné, on en a croisé un, bah il était déjà en train de se faire braquer. Hop là, pas le dos.
Ah oui, putain, il y a bientôt la tempête, fait chier. Mais normalement, il est pas qu'à 20h. Ah oui, non, il y en a une avant, je crois. C'est, si je me trompe pas, il y en a une toutes les 6 heures, je crois, un truc comme ça. Ah, ok, je savais pas du tout. Oui, c'est que celle-ci, d'habitude, je la vois pas, je suis pas éveillé encore. Ouais, moi aussi. ML, putain. Bon, je vais arrêter là. Enfin, juste déco pour la tempête, les gars. Le temps que la tempête se passe, j'arrive vite fait, les gars. Le servir ouvre à 14h. Je vais juste aller me chercher un petit truc à graille. J'arrive. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
Yo Enzo, excuse-moi, j'étais parti, j'étais juste AFK le temps du reboot du serveur. Hop, je relance FiveM et le serveur et je vous remets la scène les gars. Ciao bien Enzo. Bon, la musique de Noël par contre, voilà, merci. Ouais, ça va nickel hein. Oui, merci Malia. Attendez, j'ai l'impression que la musique elle est forte encore un peu. Ah voilà, j'arrivais pas à régler le son. Hop. Excusez-moi les gars. De quoi y a personne Enzo? Comment ça, on est que deux? Ah, là, à la couture? Après, c'est le matin, hein, genre les gens ils sont. Enfin, c'est le matin. C'est le matin pour certaines personnes, surtout que là on était en week-end, il y a des gens qui se sont couchés tard hier, tu vois. Après, il y avait un peu plus de monde tout à l'heure là, mais. Ouais, c'est pour ça, c'est le matin pour moi, mais c'est le matin pour d'autres parce que, genre, le week-end, il y en a qui se couchent tard, tu vois.
Ah, mais laisse-moi m'asseoir là. Voilà. Tac. Putain. Tant de table, laisse-moi passer. Non, ils sont pas bavards avec moi, ceux qui travaillent là, on est d'accord. Hein. Ils sont muets comme des cartes, les types là. Ouais, quand on sera là-haut, là, voir s'ils parlent un peu, mais ils ont pas l'air de parler, hein. Les mecs, là, ils font juste leur taf. Ouais, vous allez bien les gars ou quoi? Ça. Oui, on t'entend pas très bien. Tu m'entends mieux là, c'est bon? Ouais, un peu, ouais, ça va mieux. Attends. Ouais, c'est ça, Enzo. C'est bon là? Ouais, ça va déjà, on t'entend mieux, ouais. Faut qu'on parle de là. Ah, d'accord, on se connaît? Du business, tu m'as oublié. Oui, t'es celui-là que j'ai vu à l'hôpital? Ouais. Ah, d'accord, c'est que t'as changé de coupe, c'est pour ça. Ah, ouais. Et au live maintenant. Mais ouais, essaye de parler un peu plus folle parce que... Tu m'entends vraiment pas folle là? Ah non, s'il y a quelqu'un qui va parler en même temps que toi, on va pas t'entendre, je pense. Oh, tu m'entends bien toi? Non. Oh. Là c'est qui? Là je fais un dodo, je dis. Ça marche. Vas-y, tu peux t'asseoir, Dan. Parfait, merci.
Non, Tic, il doit dormir encore. Merde, je vais dans le mur. Mais laisse-moi passer la barrière de merde. Non, là, moi, y a personne du groupe ou quoi qui est connecté, Enzo. C'est bon. Ah ouais, sûrement. Après, y a sûrement des gens qui sont plus jeunes. Ouais, c'est un peu mieux, mais ouais, c'est bizarre. D'un coup, on t'entend pas beaucoup comme ça. Bah, je sais pas. Là, ah oui, là c'est bon là. Là c'est bon. Ah oui. Ah, je passe des petits problèmes oui, là, de là, code c'est, vocal. C'est même limite presque tu clis là. Ouais, ouais, je vois. Je sais pourquoi, parce que je lève trop la voix là. Attends, je vais un peu me calmer. C'est bon là. Ouais. Du coup, attends, je vais mettre en tenue, j'arrive. Oui, ça marche. Allez, d'accord, moi je suis à la couture. Alors, donc tu veux du trabajo, ça? Oui, pour l'instant, je sais pas, comme je t'avais dit. Bah après, tranquille, hein, c'est pas risqué si t'es discret et que c'est t'en servir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est jamais risqué en soi. Vas-y, le malin. T'as dit quoi? Je disais, après, en soi, c'est jamais vraiment risqué, il faut juste... Ça va le faire les choses. Ouais, voilà, c'est vraiment, t'as pas de chance, tu te fais attraper. Après, ça rapporte beaucoup. Hein. Tu te caches pas après que tu vas te mettre bien. Oui, c'est normal, plus il y a de risques, plus ça rapporte. En gros, ce que j'ai entendu, c'est que tu sais très bien, là, je te parle de vendre. Je te parle de vendre des substances. Oui, t'inquiète, j'avais compris. En gros, on a un truc, je l'avais cliqué en. Ouais. Tu vois, on va te donner des pochons de coke, tu vois. Oui, je vois. Et bah, genre au début, on va te faire payer le pochon $200. Après, si tu le viens, c'est 150. Et après, si tu le viens encore, c'est 100 et c'est définitif. Oui, je vois. Donc après, c'est rentable, sachant qu'un pochon, genre tu le vends de $250 à $500. Ça dépend des personnes. Donc tu peux te le dire. Tu le vends à des personnes, ils ont un peu la tête en l'air, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Après, il faudra qu'on voit ça autre part. Ouais, tranquille, t'inquiète. Non, non, c'est un accent mexicain qui fait Enzo. Ici, Goélan, je m'entends. Le type là qui me parle, c'est il fait un accent mexicain, lui. Et pour te répondre, Enzo, ouais, il y a un peu de monde sur Twitch, on est deux. Tout à l'heure on était 5. Ça varie. Ok.
Comment ça, il parle? Ouais, il me parlait, vous l'entendez pas ou quoi? Ah si, tu l'as entendu, parce que t'as dit qu'il essayait de faire mon accent. C'est toute la place. Ah, sur Twitch, non, ça parle pas pour l'instant. Ça parlait tout à l'heure. J'ai un pote qui est passé. Enfin, j'ai deux potes qui sont passés et ils parlaient, mais là, ça parle pas. Ah, je croyais que tu me parlais en jeu, Enzo. C'est pour ça que je me dis merde, qu'est-ce qu'il me raconte? Meld, excuse-moi Malia. Non, tranquille Enzo. Faut pas pollue pas le chat du type qui stream et genre il me connaît pas ni rien donc non. Mais c'est gentil. Voilà. Merci. Oui, je me dépêche.
T'as oublié la nourriture? Oui, voilà, tenez la place, j'ai fini. Parfait. Mais les gens ils parlent pas! C'est horrible! Ouais, il a mis, il fait pas la petite Kools. Ah oui? Ouais, la patronne elle veut pas. Ouais, je l'emmerde la patronne. Ouais, bah t'as le visa défilé pendant un seul ouais. temps alors. On se refoutre. Ah d'accord. Et mon pote, c'est des cartons de tissu, hein, c'est pas des parpaings. Hein. Ouais, non mais je l'ai prévenu, genre le. Ouais, t'inquiète, on me l'a déjà dit. Ouais, c'est pour ça que je te le dis. Ouais, ça va. Pas abusé. Après moi je préviens les gens, après c'est pas mon souci, tu vois, je. T'inquiète chef, merci. Non, il doit dire. Genre toi, tu me dis avec des cartons de tissu, tu marches au ralenti. Ouais, je dis pas ça, je le sais juste qu'ils veulent pas. Bah ouais, mais ça va. La patronne n'est pas d'accord. On en chie déjà assez pour avoir du fric, alors si en plus on peut pas un petit peu se presser parce que c'est des cartons légers. Tu vois, ça serait des cartons, des sacs de ciment comme au chantier, là je dis pas, tu vois, mais... Frère, là c'est du tissu, il doit faire quoi, 5 kilos à tout casser le carton, ça va. Ouais, je sais bien, je comprends ce que tu veux dire, mais après, voilà. C'est pour ça, moi, je préviens juste les gens qui le font, parce que, ouais, voilà. T'inquiète, non, moi, on m'a déjà prévenu, mais... Ça va, tu sais, l'argent, c'est hyper dur à gagner, là, c'est des trucs légers. On peut bien ouais, se permettre de se tracer un peu, tu vois. D'accord, Enzo. Nous fait déjà assez chier avec toute la vitesse sur la route et tout. Ah ouais, ça, c'est sûr, on s'en traîne l'habitude, la route, hein. Ouais, mon pote, quand je travaille, je suis un charbonneur, je suis pas là pour... Ouais, t'inquiète, moi aussi, j'ai juste pas envie d'avoir le visa que déchiré, c'est tout, c'est pour ça. Ouais, ça va, faut pas exagérer. Ouais, c'est que c'est déjà arrivé, c'est pour ça. Ouais, je sais, moi aussi. Bah, c'est même pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à un ami. Ouais! Ça va ou quoi? Ouais, t'es où, Monocouille? Bah, je suis là, derrière toi. Ouais, va faire une sieste, Monocouille. T'as la cape d'Harry Potter là, va faire une sieste Monocouille. Bah comme tu veux Enzo, mais c'est... Ouais, c'est que j'aime pas trop ça, c'est pour ça, mais... Non, c'est toi. Vas-y mon pote. Merci. C'est parti. Catin. Bonsoir. Là, ça marche. Ah bonsoir, c'est monsieur Geoffrey ça? Ouais c'est ça. Ah vous allez bien? Oui, ça va et vous Bob? Oui tranquille, hein. Toujours là. Merci. Pourquoi il me dit merci?
Ouais, c'est occupé, désolé, ouais. Et voilà. Encore une mission réussie pour la Team Rocket. Ah! Je peux m'asseoir à côté, mon chef. Vas-y, vas-y. Deal. Eh hey, merde, faut que je retourne là-haut. Putain, mais... Je suis bourré ou quoi? Un bro pour moi. Et non, bah il attend quelqu'un, je sais pas, il est bizarre. Moi aussi, s'il te plaît. Putain, j'ai plus rien à graver. Ouais. Oui, Monogouille, ça va ou quoi là? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais, pas trop dur ce matin? Non, tranquille, moi, toujours, ça va. Ouais. On va peut-être avoir un problème. Oui, oula, ça va? Ouais, t'as bientôt fini, l'ami? À moitié, là. Oui, tranquille. Plein de temps fini. Hop, les rebords. Je termine juste le col. Non mais... Oui, tranquille, t'inquiète. Ah bon. Et voilà. Ah, excuse. Et allez. Hop, t'as pas le fait, merci. Allez, travaille toi. T'as dit quoi, cette grosse pute? Tu m'as ramené de la nourriture. Attends, je finis, je te fous l'aiguille dans la gueule. Attends. Ok. Ça va, Senzo, merci d'être passé, à plus. Sale pute, va. Oh ouais, oula, ça va la vie. Mon épaule. Ah oui, il faut faire attention. Hein. Tu peux appeler un docteur si tu veux. Ah. Ouais, monocouille plus vite. Ah là, ça va être le bouchon, on va tous se gêner, putain. Ouais, on voit que t'es le plus habitué d'entre nous. Hein. Eh ouais, ça fait 2 semaines que je fais la coutule. Bah tu devrais être millionnaire déjà. Ouais, bah faut aller dire à l'unicorn qui me lande les vals que j'ai payé à l'homme. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Oh putain.
putain, il va v'la vite, lui, il me fout la haine, hein. Ouais, c'est la petite cool. Faut pas faire normalement, mais il a dit il s'en fout, donc... Ah. Après, ouais, voilà, tu peux le faire, mais c'est Atelisk et Peli l'appeler. Tu es bien sur la place. Et voilà. Et il avait pas dit qu'il coupait ça. Je vais chercher David et en même temps je cherche la nourriture. Ça roule. Hop. Vas-y, c'est toi mon pote. Hein. Ouais, non, je préfère l'attendre, j'aime pas ça. Ouais, comme tu veux. J'aime pas m'asseoir sur les genoux, j'aime pas quand ça soit sur mes genoux. Ah ouais, les gars, vous êtes... Ah ouais, la table est célèbre, je crois. Ah ouais. Ouais, je sais pas, c'est la table ou autre chose qui est célèbre. Vas-y, s'il te plaît. Oui, vas-y si tu veux. Bah vas-y, viens, je te fais une gage, vas-y. Ah ouais, non, j'aime pas ça. Tiens, vas-y, au pire, prends la chaise à droite. Là, je préfère l'attendre. Vas-y, bah tranquille, comme tu veux. Tu vas arrêter quand, toi? Oui, je sais pas, là, je vais aller chercher à boire et à manger, peut-être, parce que... Ah, moi aussi, il faut. Je pense que je vais arrêter dans une petite demi-heure. Non, mais t'inquiète, c'est la batte, quand t'arrives, je te pète la gueule. Pas de la qui, lui. Je croyais pas. Non, pas à vous, t'inquiète. T'appelles comment le Jamaïcain? Oui, c'est Bob. Bob? Oui. Et toi? Rodrigo. D'accord. Ne pleure pas, le fais mal ici. Ça va? Ah, putain. Ouais, ça... J'étais en train de coudre, ouais c'est bon, direct. Pardon ? Ouais, mon ogou il pousse. Ah allez, putain! Allez d'aller dans le même endroit. C'est dans mes pattes là. Hein. Là t'es... C'est pas bien ça. Eh ouais, il faut pas se changer comme ça en plein milieu des escaliers. Ouais, désolé, j'ai oublié et tout, et là ça me saoule d'être dans ces habits de merde là. Voilà, là je suis beau gosse là. Oh là là.
Ouais, beau gosse, tout est relatif quand même, mais... Mais non. Ah, ouais, je crois qu'il a mangé la polte en plus. Ouais. Ouais, j'ai parlé un peu avec Mac hier. Il est sympa. Oui. Attends, je parle moins fort. Ouais, il est sympa oui, comme tout. Pas, hein. Pas ici, hein. Ouais, t'inquiète. Faut que j'aille parler avec quelqu'un après. Ouais, ça fait des squats ? Ouais. Oui, vas-y, passe. Oh, merci, chef. Oui, tranquille. Wesh. Oui, Mike, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ah, tranquille, hein. Ouais, j'ai presque fini, Mike. Pas de soucis. Hop là, tiens. Merci. Ah, j'allais vite fait, je vais chercher à boire et à manger, mon couille. S'il y a quelqu'un qui appelle la radio, on t'a pas entendu. Je le viens. Hop. Merde, putain. Putain, patine de trop la voiture.
Aïe. Putain, fais chier là. Ah, je suis en train de faire un pot de yaourt là. Ta glandelle. Hop là, rapide, efficace. C'est pas cher. C'est la maf que je voulais faire elle-même. Oui, excuse-moi, Malia. T'as dit quoi? Oui, Monokui, je suis le tool, c'est bon. Jamaïcain là, ouais. Bob, je vais pas t'aider à y aller là. Oui, donc, je te dis en vite de spi là, si tu veux travailler, tu vas juste au barrio. Quelqu'un va te recevoir, tu dis tu connais Rodrigo et c'est bon. Oui, pas de soucis. Attends, je te parle deux minutes avant que tu parles. Vas-y, bah, je t'écoute là. Vas-y, je vais rester là, vas-y, je t'écoute. Oui, non, c'est qu'ici. Bah, viens dehors après. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Vas-y. Je fais le caleton en speed, j'allais. Vas-y, je vais me changer. Je t'attends en bas. Oui, j'ai fini, c'est bon. Vas-y. Hop là, excuse-moi, Nokui. Vas-y, viens. Ouais, vas-y. Oui, après, je sais pas si c'est forcément avec toi, faut que je parle de ça, mais. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Viens. Vas-y, dis. Bon, là, vas-y. Ouais, après, je vous avouais que moi, ce qui m'intéresse le plus, après, faudrait peut-être voir avec. Bref, non, en gros, non, je vais proposer du travail, en gros, vas-y. Ah. Ouais, c'est pour ça. Vas-y. Après, c'est peut-être plus à gauche l'effet qu'il faut voir ça, mais genre, je l'ai plus si c'est possible de travailler, genre sur les points, et après, vous de vous donner une contrepartie, vous voyez ou pas? Tu veux dire la récolte? Ouais, la récolte c'est mort,
parce qu'il y a déjà des gens qui font ça pour nous. En gros, on cherche que des vendeurs parce que Salien fait ça en. Mais sinon, c'est quoi ton plan? De quoi? Oh, t'as ta carte d'identité surtout. Oui, mais bien sûr, mais tout le monde me connaît ici, de toute façon. Il s'appelle comment? C'est Bob. Bob. Même les patrons de Nicole, ils me connaissent, t'inquiète pas. Je le suis. Okay. Ils sont des trucs pour nous, c'est ça? Ouais, voilà. Et moi, en contrepalti, je vous donne. On vous donne une contrepalti, bien sûr. Sauf que bon, à chaque fois, comment les gens ils ont travaillé avec nous, enfin, comment leur effet et tout ça, comment les sales chantons ils font quand ils viennent travailler, c'est qu'ils nous prennent une conso et après ils aillent vendre pour nous. Ouais. Donc à mon avis, je pense plus que ça serait un truc comme ça qu'un truc qu'on donne de la mar... de la compte qui toi est à la clé. D'accord, je vois, ok. Parce qu'après, c'est pas là, ici il faut des gens pour le travailler, j'en ai. Déjà, combien commence à vendre, après on verra pour les points. Mais attends. Vous êtes combien au pire? Ouais, il y en a 4-5 à peu près. 4-5? Il y a... tous des mecs ou il y a des mecs? Ouais, de quoi? Il y a combien de mecs même? On est que des gars. Ok, vous êtes combien? 5 du coup? Ouais, à peu près. Ok, bah... alors, attends. Après, bah, s'il faut vous prouver quelque chose pour commencer par la vente, il n'y a pas de souci sur ça. De toute façon, moi, je t'explique comment ça se passe, après tu verras avec mon effet. Oui, c'est pour ça, je vous en parle avant, je vais te voir avec votre effet, c'est pour ça. Je reviens entre 16h30 et 17h, au Barillon, au parking du Nord. Oui, ce soir, ça sera peut-être pas possible. J'ai un appel à l'hôtel, c'est pour ça. Après, ça sera peut-être plus tard s'il est là dans la soirée, plus tard ça sera possible, mais. Dis donne-moi une heure. Ouais, je sais pas, vers 22, 23 heures peut-être. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Au pire, s'il est pas là, de toute façon, il y aura forcément un sergent. Ouais, pas de soucis. Après, comme je dis, s'il faut passer par la vente avant, il n'y a pas de soucis sur ça, c'est. De toute façon, moi je te dis, monsieur, 100% ça va être que de la vente, hein, t'auras rien du tout. Non, je te dis, ça va être de la vente et au pire, à la fin, tu vois, quand tu vas commencer à beaucoup travailler avec nous, tu vas avoir des réductions sur l'achat, mais sinon ça va être plus du tout. D'accord. Non, après, je t'avouais qu'on a tous faim d'argent, on va dire. Et j'ai pas pour le but de palti l'angle par exemple contre vous ou quoi, si jamais tu vois ce que je veux dire. Ça c'est la gueule, c'est pas bon pour les affaires la gueule. Bah, moi de toute façon je te dis hein, tu vas l'argent, après l'argent faudrait le blanchir. C'est ouais. bon bah, tu blanchis d'une page, on va pas le penser, faudrait voir avec eux. Si vous avez envie de travailler beaucoup, comment tu le ferais? Tu démarres tout seul si tu fais avec eux. Oui, voilà, c'est pour ça. Après, c'est pareil. Si vous pouvez blanchir et vous prenez une contrepartie dessus, il n'y a pas de problème sur ça, tu vois. De toute façon, mais à mon avis, ça va être comment? Ça va être que tu démerdes, t'achètes des pochons, là, tu démerdes avec. Oui, je comprends. Après, ça, c'est à toi de faire des coups. C'est vraiment à tout faire. Bref. T'attends. Un sergento dispo ou un réfé de Blazo? Y'a que nous deux. On a pas ce soir, si tu veux passer dans. Oui, tranquille, c'est pas placé à la minute, hein, faut pas s'inquiéter. Vas-y. Ouais, je vous laisse à vos occupations. Vas-y. Bonne journée à vous, les gars. Putain, ils sont fermés, hein, les gars. Et avec les termes du contrat, histoire d'officialiser la chose, pour éviter qu'une partie arnaque l'autre. C'est une sorte d'officialisation. Ah, c'est bien ça. Et du coup, ça permet...
Ouais. Du coup, ça permettrait. Excusez-moi de vous couper, mais ton problème d'argent, bah ouais. Tu devais aller peut-être voir avec monsieur Geoffrey, il peut peut-être t'aider à cause des Jazio et tout. Hein. C'est qui monsieur Geoffrey? Oui, c'est le monsieur là. Bah, c'est moi. Avec la cravate. Ah c'est un avocat, monsieur Geoffrey, c'est pour ça oui, qu'il est en train de m'expliquer. Oui, du coup, comme je disais, ça pourrait permettre non seulement avec les intérêts imposés par le monsieur qui vous accorderait le prêt de se faire un petit peu d'argent et vous, ça vous éviterait de vous prendre les agios tous les jours. D'accord. Et il faudrait que je m'adresse à qui pour trouver le genre de personne? Parce que c'est pas la couture que je vais trouver quelqu'un ouais, qui va me faire un prêt de. Tu vas au Unicorn, ah, t'as trouvé un mec qui paye une bouteille à 10 000 et puis hop. Ah bah oui, hein. Au Unicorn, je pense que vous pouvez aisément trouver des gens comme ça. Ah ouais? Ou au Concess. Oui, moi j'ai généralement les gens qui vont au Unicorn, ils ont quoi payer. Hein. D'accord. Oui, pas forcément, monsieur Geoffrey, hein. Je pars en globalité. Et votre cabinet d'avocat Alors pour l'instant, alors comme on est nouveau en ville, on n'a pas encore de cabinet, on est encore sous la tutelle de. Les pompes pas là, Dio, s'ils veulent, c'est juste pour le te dire, après faudra la qu'on se parle. Mais les pompes pas. Alors, du coup, votre nom, c'est quoi? Alors, c'est Monsieur Geoffrey. J-O-E-2-F-R-E-Y. Putain, ouais, ça va, putain. T'es vraiment con, Monokui. Ok, numéro 68040, ok. Je prendrais bien ton numéro aussi vu que t'es avocat, ça peut toujours servir. Y'a quelqu'un en radio ou pas? Ouais, tic. Ouais, on a. Non, vous êtes là, ça va? Monsieur Procureur avait fait des. Tranquille et toi, je suis à la couture, je peux pas te répondre, je vais coudre. Ça va, y'a pas de soucis, je vais peut-être venir aussi. Ça marche. Eh, en vrai, vous avez le meilleur plan du monde, hein, monsieur Geoffrey. Hein. Je t'envoie un message, c'est bon. Oh, merci, hein. Que vous chercherez des stagiaires une fois que vous agrandirez. Ouais, bah super. Ouais, bah oui, bien sûr, je comprends. Et puis il faut peut-être que les artisans fabriquent le bâtiment et tout ça, quoi. Ah. Ok. Ouais, bah je me doute bien, bien sûr. Ouais, bah tant mieux. Bon bah je vous tiens au courant, de toute façon je vous envoie un SMS. Bon, bah merci bien. Bon, en tout cas. Oui. Et vous avez le meilleur plan du monde, hein, monsieur Geoffrey, en vrai. Hein. De quoi? Vous avez le meilleur plan du monde, vous venez à la couture d'escolter la dame, et en plus vous faites des futurs clients, c'est pas le meilleur. Ouais, franchement, très commercial, c'est là, monsieur. Plan, c'est un bon plan. Oui, faut fidéliser la clientèle. Hein. Surtout qu'il y a du monde qui passe à la couture, souvent c'est... Bah oui. Ça c'est toujours intéressant. Bob, oui, est-ce que tu pourrais m'amener à l'épicerie? Ouais, attends, y'a Tic qui va venir nous chercher là, faut que j'aille chercher à manger aussi. Ah putain, moi c'est la même merde. Oui. Bah on en fait une dernière en l'attendant. Oui, tranquille. Allez, let's go. Tic, tu peux venir nous chercher à la couture ou pas s'il te plaît avec Monokui? Bah en fait j'arrive là, genre je suis vraiment... Je me suis garé.
Ouais, non, c'est qu'on faut qu'on parle de la couture. Déjà, Monoku, il faut qu'il aille acheter à manger, il faut que je vous parle. Mais tu t'es galé où? Attends, j'arrive, je suis là. Ah, je le vois, elle est là à droite. Ah, oui. Wesh, ça ouais, va, Jake ouais, ouais. Ouais, Tic. Oh, mais t'es là toi aussi? Ouais, Tic. Bah, ouais, je suis là, gros. Ça va? Bah, ça va, gros, les gars, du coup. T'es prêt? Tranquille. Ouais, hola, hola. Bonsoir. Hola, seigneur. Sur quoi? Bon, du coup, c'est. Il va vous quoi? Ça va, capter, je finis le 4 long, faut que tu nous emmènes chercher à manger si tu peux, s'il te plaît. Hop, okay, ça va, tiens. Ouais, Imal, si ça va. Je peux pas aller pondre, j'ai le 4 long. Ouais. Ouais, moi c'est la même. Qui me parle. Est-ce qu'on prend la tenue? C'est là-haut. À l'étage, c'est en haut. Regarde-moi okay, ça, merci. Gros. C'est un nouveau le gars avec qui Jackie il cause? J'ai jamais vu. Non. Non? Hola, hola. Ok. Ah putain, on est côte à côte en plus, c'est magnifique ça. Ouais, non, laisse tranquille quand même, Monogui. Mais putain, t'en as pas marre de tout le temps faire des allusions comme ça là? Tu me prends vraiment pour un PD, tu crois que je suis de la jaquette? Ouais, je sais pas. Pas parce que j'ai une coupe un petit peu, t'as vu ouais, quoi? Ouais, moulante cette tenue. Après, je t'ai déjà dit, j'ai rien contre ça, mais bon. Ouais, je vais avoir fini, bouge. Allez, je vais prendre ma sponsor, lui, je le viens après. Ouais, Itik, t'es pas le dit ou Boldel? Je suis en train de parler. Ah putain, mais vas-y. Vas-y, je vous amène, mais c'est pas ma voiture. Hein. Ouais, c'est pas grave, tranquille, on s'en bat les couilles. Mais tranquille, ouais. De toute façon, je crois que ma voiture, elle est carrée. Pas loin du Burger Shop. Ouais, mais clipa, je suis là. C'est vrai, t'es où? Je te vois pas, mec. Tu veux que je t'en montre? Ah ouais, je vois. Ouais, de ouf. Ouais, ça va, Sheldon? Ouais, nickel, nickel. J'avais même pas vu, t'étais là, en fait. Non, je reviens, les gars. Du coup, je vais renvoyer un message à Jake, voir s'il a envie. Vas-y, ça marche. Par contre, le gars qui était là, tu sais qui est arrivé avec moi? Ouais. Je crois qu'il a des trucs. Je sais pas s'il est arrivé il y a longtemps ou pas, mais je crois qu'il a des trucs. D'accord. Après, c'est peut-être dû à son accent, non? De quoi? C'est peut-être pas la parole à son accent? Non, non. Non, non, on a parlé. D'accord. Parce qu'il a un accent fortement mexicain, tu vois? Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, un message. Ok. Ouais, Monoku, si tu veux éviter de changer de tenue tout le temps. Mais t'as pas vu la voiture? Je sais. Ouais. Je vais le faire. J'avais ouais, oublié. Tu peux, en fait, quand tu vas dans tes poches là pour le. Tu sais, là où tu le tiles ton masque, quand tu ouais, vas tout en bas là, tu peux ouais. Sélectionner la tenue que t'as sur toi pour le. Ah, quand tu te réveilles avant celle-ci. Ouais, je viens de voir. D'ailleurs, si vous le savez pas, les gars. Hop. Ah bah moi je l'ai su tout à l'heure. Ouais, super. J'ai découvert le pal à la salle, je me suis trompé de trucs et. Bah toi tu. Bah tu vois, pour que quand tu te réveilles, t'es la tenue en question quoi. Ah ok, ok. Je crois que toi c'est déjà bon. Tu vas. Si jamais un jour tu veux te réveiller avec une tenue. Ouais, mais je sauvegarde la tenue quoi. Ouais, voilà. Tu vas dans là où tu peux l'utiliser le masque et tout. Et, ouais, moi, et tu te cales une petite carte mémoire dans la fente, et puis c'est bon. Oui, je l'ai découvert ouais, juste bon. Tout à l'heure. C'est... À la place de l'antivol, là, boum. C'est ça, putain. Bon, du coup, je vous amène. Oui, parce que je crois qu'il va clever de ça, yes. Ce con-là. Yes, bah go. Oui, vas-y, let's go. Allez, salut. Ouais, à toutes. C'est la voiture de mamie, c'est bon, tranquille. Ouais. Ouais, elle avait dernier gamos, ça, mamie. Hein. Vous savez si le Burger Shot est ouvert ou pas? Attends, je vais essayer d'envoyer un message à Maywen. Après, y a peut-être quelqu'un, on peut y passer hein, au Burger Shot. Ouais, parce que souvent y en a qui taffent mais qui envoient pas de message. Oui, vas-y, go, on va essayer d'aller voir le pire.
Ouais, du coup, ouais. Il faut que... Enfin, j'ai pas vraiment faim. Hein. Juste, je voulais boucher de là-bas. Oui, non, mais c'est que moi, je dois vous parler un peu vite fait. Ouais, je sais. Après, il faut que je parle avec les deux autres, là, mais pour déjà y aller, soit le feu. Putain, pour le coup, j'ai pas ma tenue. Ouais, salut, collègue. ah, je crois qu'il avait les putains de fenêtres fermées, cet enculé. Oh, regarde-le, il s'est pas conduit, en plus, ce con. J'ai parlé un peu là tout à l'heure. Fais gaffe, il y a les chemises. Oui, je sais, t'inquiète, j'ai les yeux pas le tout. Enfin, j'essaye du moins. Mais parce qu'il y a un bagos que je l'ai rencontré déjà il y a quelques jours. Ouais. Qui m'avait proposé de, si je voulais travailler, eux ils pouvaient me vendre de la coke et moi je le vends, tu vois. Ouais, après, comme moi hier en fait. Après, plus tu y vas, plus ils baissent le pli de l'achat, ce qui est normal. Au début, ils vont pas te faire le 100% confiance. Bref, moi je lui ai dit que l'allemand ça m'intéresse pas, je veux plus. Plus ? Oui, je lui ai dit, je veux plus. Moi je lui ai dit, de vendre ça m'intéresse pas forcément, je voulais faire les. Après, je leur ai dit, s'il faut pas aller avec votre l'effet, y a pas de souci. On peut organiser ça. Il y en a un qui était là, il me connaissait pas, il a commencé à me dire, mais t'es qui toi de parler comme ça et tout. Et son collègue, il lui a dit, tranquille, je le connais. Et après, je leur ai dit, si vous voulez, même à l'Unicorn, je suis connu. Tout le monde connaît mon nom et prénom là-bas. Je suis bon client de l'Unicorn. Donc, si je me gare ici, hein, c'est pas ma voiture. Oui, tranquille. S'il faut que je me cache, je pouvais pas me cacher. Je suis un peu trop connu, on va dire, tu vois. Ouais, de ouf. Après, je lui ai clairement dit que... Donc, faut que je voie avec son l'effet après, mais... Attendez, je vais parler un peu moins folle, vu qu'on est pris en voiture. Ouais, c'est qu'en voiture, on n'a pas le choix, en fait. Viens. On finit là. Mais, ils sont vachement fermés à la discussion, les vagos, hein. C'est horrible, hein. Bah, moi, les balades sont plus ouvertes. Hier, le gang avec qui j'étais là, enfin, le gars du gang avec qui j'étais, il m'a dit pareil. En fait, il voulait que je vende pour eux. Ouais, et en fait, plus je vendais, plus je gagnais. En fait, et moi, je lui ai dit, vendre, ça m'intéresse pas. Je lui ai dit, vendre, il n'y a pas de souci, tu vois. Je vends des buts, mais je lui ai dit, moi, je vise au-dessus que la vente, tu vois. Il m'a dit, ça, faut voir après avec mes supérieurs, mais il n'y aurait pas de problème. Et non, son gang, il serait plus ouvert, tu vois, mais je ne le retrouverai jamais, ce gars. Ah, d'accord, tu parlais avec je leur trouverai... Ouais, le gars d'hier, là. Putain, ok, d'accord. Après, le truc. Eux, c'est des soldats, si j'ai bien compris, donc ils peuvent pas forcément me dire oui, me dire non, tu vois. Après, je lui ai bien fait comprendre que j'étais pas tout seul. Ouais. Que s'il y avait besoin, je pouvais avoir des hommes pour le travailler. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a demandé combien on était, j'ai dit 5 alors qu'on est un peu plus. Il m'a demandé s'il y avait des femmes, je lui ai dit non, on était que des hommes. Ouais, c'est bien ça. Ouais, je suis pas fou non plus, hein, je te l'assure. Ouais, de ouf. Je lui ai dit... ce soir, je vais peut-être pouvoir le voir l'effet, mais il est lavé le 17 heures. Moi, ce soir, je suis pas là, j'ai un appel ou à l'hôtel. Il y aura peut-être John, mais ouais, après... Mais moi, je suis pas là, je le sais. Après, j'y l'ai tout seul. S'il faut aller les voir, j'y l'ai tout seul. C'est moi qui ai commencé à leur dire. Mais attends, c'est pas la de la soirée. Non, vers le 18 heures, je parle, j'ai un appel ou à l'hôtel. Et je le viens appeler, mais sur les coups de 23h, je pense. Bah ça va, là. Mais... Oui, mais ils tombent pas dans le coma tous les deux, ça va. Je dois parler avec l'effet. Quand il sera disponible, peut-être ce soir, vers le 22h, le 23h, quand je le viens jouer. C'est là, peut-être là. Ouais. Mais lui, il m'a clairement dit que il cherchait surtout des vandales, parce que sur les points et tout, ils ont déjà beaucoup de monde. Après, je lui ai fait comprendre que on avait faim d'argent et qu'on voulait pas se limiter à de la vente. Ouais, c'est ça. Hein. Et je lui ai fait comprendre aussi que j'avais aucune envie ni idée en tête de partir en guerre contre eux. Mm-hmm. Et que la guerre, c'était pas bon pour les AFL. Ouais, t'as raison. Après. Ouais, vas-y. Ouais, mais non. La guerre, c'est jamais bon pour les AFL.
Ouais, de ouf. Bah surtout que nous on n'est pas équipés pour faire la guerre dans tous les cas. Ouais, mais tu peux t'équiper très vite en ville ici, c'est pas le problème. Ouais, on peut s'équiper vite, mais même... Mais le problème de faire de la gueule, de une, tu pèles du temps à faire de la gueule, tu fais pas d'argent ouais, en attendant. En plus de ça, tu pèles des hommes, et en plus de ça, tu pèles de l'argent parce que tu pèles des almes, etc. Après, s'ils veulent pas comprendre ça, c'est tant pis, j'ai envie de dire, ça serait un peu bête, mais... Moi, personnellement, je préfère le... limite se mettre d'accord sur des choses avec les personnes et tout. Et que tout le monde travaille tranquillement dans son coin, tout le monde se fait son argent. Et tout le monde reste en vie, quoi. Ouais, c'est le but, hein. Après, il y en a qui aiment bien faire la guerre. Après, je sais que c'est difficile de discuter comme ça avec les ganglelus, tu vois. Ouais, surtout les... comme ça. Ouais, après, il peut les faire plus... peut-être faire de la gueule des fois, mais tu peux, ça dépend comment ils sont ouverts d'esprit, on va dire. Je vais aller bien avec l'effet quand je discuterai avec lui, mais en tout cas, si vous me voyez pas dans les prochains jours, c'est que je suis molle. Non, mais dis pas des trucs comme ça. Oui, j'avoue. Il y a pas de raison. Hein. Tu vas pas te faire flinguer pour rien. Là, pour l'instant, on a de la merde nulle part, hein, donc. Bah. Je sais, ouais. Après, ça dépend, mais normalement, non, on n'a pas de problème. Hein. Après, j'ai été pas allé au Vagos comme ça à cash parce que je. On va dire, je suis entre guillemets connu à l'Unicorn. Ouais, vois, non, mais t'as bien fait. C'est, tu vois c'est, ce que je veux dire. Ouais, de ouf. Donc, je pense que ça peut me faire une petite c'est sécurité. Le loup blanc là-bas. Ouais, de fou. Tu vois, de pouvoir y aller, de le palter tranquillement. Même coup. La patronne, elle est pas mariée avec. Une grosse tête. Ouais, je sais pas à quelle place il a le. Ouais, elle nous en parlait là. L'autre fois. Mais ouais, c'est pour ça. Ah putain, dis pardon, salope. Connage. Putain. C'est pour ça que j'ai pris mes couilles à deux mains parce qu'ils sont trop lourds. En parlant de couilles, et ça ressemblerait pas à une toute petite bite ça? Ouais, mais vraiment toute petite. Regarde-moi cette bite de ouais, Teletubbies. Putain, on dit les ta tête. Ah putain. C'est mais non, drôle, regarde, il y a deux couilles là. Eh, tu l'as cherché celle-ci. Ouvre les yeux, bon Dieu. Ouais, mais regarde, la bite au-dessus, on dit les une monocouille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi les gars, le gars que j'ai ramené tout à l'heure là, je sais pas, il est chelou, mais genre il est venu me voir et il a commencé à me parler et tout. Et Jordan. Non, pas Jordan. Le gars que j'ai ramené là, habillé en or et blanc. Bonjour et tout. Ah ouais. Je sais pas s'il est là depuis longtemps en ville, je pense pas. Mais il m'a lâché comme quoi il vendait des armes. Putain, mais ça casse ouais. Les couilles. Alors, après, par contre, faut qu'on fasse gaffe et pas trop parler avec tout le monde, tu vois. Ouais, non, de ouf, t'inquiète. Ah non, mais j'ai rien dit de toute façon. Mais... C'est pour ça, là, c'est pareil, faut qu'on s'allonge avec Mike et ses frêles qui nous le joignent. Ça peut être un bon point. Ouais, mais ça, j'ai renégocié avec Mike hier. Ouais. Mike est plutôt ouvert. Hein. Faut t'inquiète, juste qu'on voit avec. J'ai bien vu, je m'allonge avec lui. Moi, Mike, il m'a dit hier que ça faisait que quelques jours qu'ils étaient là, qu'ils étaient soudés entre frères, même si, bon, tu sais, toujours les fratries, il y a toujours des petits problèmes, mais ça reste des frères, quoi. Non, c'est en vrai, ils ont l'air cool. Ah. Ouais. Ouais, monsieur. Ah, il avait putain, juste le parking. Le gamos. Ouais, non, mais venez, il est bugle shot, lui, j'ai faim. Oh, le gamos. Ouais, il est volé. Non, mais il est ouvert depuis tout à l'heure, je crois. Ah, mais elle est stylée, sa caisse, par contre. Hein. Mais on va pouvoir le manger, c'est ouvert. Ouais. Bon, on voit ça après. Ouais. Ah, ouais, allez, à table. Trois tacos, on discute de l'intérieur. Oula, Bob, je te vois. Ah, ouais, moi aussi. Je te vois. Ouais, il est... ouais, c'est les poltes, il y a le Satanas dessus, je crois. Ah, ouais, ok. Voldemort. Tu le vois correctement là? Ah, c'est bon, Tic. Ouais, moi je vous vois nickel, ouais. Les gars. Ouais, moi j'avais un souci avec Tic. Je le voyais tout noir. Okay, okay. Pareil, j'avais un souci avec toi. Ouais, je te voyais. Enfin, je te vois tout noir quand même, mais. Ouais, mais tu voyais comme si j'étais une ombre. Un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. On est t'es d'accord. Un peu une ombre finalement, tellement discret cet homme. Ouais, ça clignote, c'est pour ça. Ouais, ah, t'as un des trackers. Attends, c'est ça ton équipe là? Quoi? Attends. C'est ça ton équipe là? Quelle équipe? Ouais et non. Non, c'est pas. Il a des merdes parce que.
Je crois qu'ils ont eu Paul de Monocouille. Ouais, forcément. J'impose. Non, ils ont eu Paul parce qu'il a une tête de con, c'est tout. Comment ça, une tête de con? Eh, va falloir qu'on arrête avec ils ça, ont les gars. Ils ont eu Paul de ta débilité, c'est pour ça. Je vais pas vous mentir, ça commence à me casser les couilles, tout ça. Hein. Mais c'est parce qu'on t'aime bien, Monocouille. Ouais, je sais. Mais tu feras un simple passage chez le coiffeur, mec, et c'est réglé. Ouais, mais putain, est-ce que j'ai le fric pour le coiffeur? Déjà, faut que je suce les boules d'un mec pour qu'il me dépanne 15 000 dollars. Et ça, ça va pas être simple. Bon, bah... Demande à Tracy. Ouais, y'a des appâts. Putain, lui m'appelle. Bah, sors, réponds. Non, je réponds pas. Tu sais que je crois que je me suis encore jamais regardé dans la glace. Ça se pas. Non mais putain c'est vrai. Hein. Faudrait peut-être qu'un jour je me regarde. Pour comprendre ce que vous ressentez. Quand vous me regardez droit dans les yeux. Ah bah ça te fait peul, je pense. En fait c'est ouais. De l'affection et du dégoût en même temps. Ouais mais j'ai jamais osé. Ma mère m'a toujours dit, vaut mieux pas. Évite tout ce qui est, tu vois, tout ce qui reflète, quoi. Ouais, bah tu comprends. Tu vois, j'ouvre une vitre, hop, je lève les yeux, quoi. Tu comprends pour le coup, on te fait chier avec ça, lol. Ouais, je comprends. Ta mère, elle te disait vraiment ça? Ouais. C'est pas très sympa. Bah, elle m'a évité pas mal de problèmes, je pense, du coup. Hein. Ouais, c'est... Enfin... Hey, tu vois, les soldats ils ont pas la même politesse que les clans. Ouais. Ça, c'est le lien de discuter avec eux. Ouais. Je comprends bien. Ça s'enflamme. Ouais, il faut toujours aller chercher à la source. Ouais, mais t'as raison de toute façon. Ah, t'éviteras de me tenir la main comme ça, par contre, Tic. Je préfère mouler le dos d'un homme que mouler le dos dans 3 semaines comme une fiotte. Ouais, moi aussi. Même. N'importe quoi, je te tiens pas la main. T'es un malade. Ah, t'étais en train de me tenir la main, là. N'importe quoi. Je peux te jurer que si. Bah, je peux te jurer que non, mec. Si. Ouais, bonjour. Ça marche. Bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, tu vas bien, merci. Pour une fois que quelqu'un te tient la main. Qu'est-ce que je peux faire là pour ton ouais, service? Attends, je voudrais... 4 menus tacos, s'il te plaît. Il a la dalle, hein, tonton. Ouais. Oui, ça donne faim de travailler. Tu veux 4 menus tacos? Tu veux oui. Quoi comme boisson? De l'eau, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Oui, parfait. Attends, faut que je mange un petit truc, okay. J'ai pas assez de place, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mourir ou quoi? Oui, non, c'est bon, je vais manger un petit biscuit pour le... Ok, pour le d'accord. Pour prendre les 4 tacos. La boisson, petite brique à l'eau, là. Pourquoi tu t'écartes de moi comme ça? Je t'ai rien fait encore. Non, je t'ai vu, t'as regardé ma main encore. Mais arrête, n'importe quoi. Putain, je fais tout seul, je fais les steaks, je fais les trucs. Non, mais je déconne. Ouais, c'est compliqué ouais. Tout seul. Par contre, t'approches pas trop du coup. Déjà, pourquoi vous êtes ouvert un peu plus tôt, c'est cool. Mais me touche pas la main. Ah, c'est toi qui me touche la main, putain. C'est toi. Non. Ouais, s'il vous plaît, 480. Oui, pas de soucis. Merci. Un plat. Putain, vraiment, c'est terrible de payer avec le téléphone maintenant. Ouais, c'est l'avenir à ce qui paraît. Ah oui, franchement, c'est vraiment pratique. Hein. Ça évite d'avoir soit la carte bleue, soit de l'espèce sur le soi, c'est pas mal. Hein. Bah, surtout, ouais, de l'espèce, ouais. Parce que maintenant, apparemment, les civils, c'est des poulets, ils ont de l'oseille. Ouais. Bonsoir, je vous écoute, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais, moi, je vais vous prendre un menu tacos avec une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Un menu tacos? Ouais. T'as un plan qu'un? Ouais, j'en prends bouteille d'eau, ouais. J'arrive. Je goûte plans ça, en, déjà. Plans en deux. Pourquoi? Bah, après, faut le venir dans 5 minutes, sinon. Ah, ouais, putain, merde, il est parti, le monsieur. Ah, je vais en prendre deux, chef, du coup, hein. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
C'est pas gentil. Oui, j'aime bien la politesse, désolé. Bah, moi aussi, moi aussi. Je fais la facture. Ouais, vous m'en avez mis deux ou pas? Ah, j'ai hurlé. Je sais pas si vous m'avez entendu. Si, si, merci. J'ai entendu, ouais. Je vous ai facturé deux. Super, je vous remercie. Alors, hop. Hop là. C'est bon? Parfait, monsieur, merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Hein. Ouais, c'est rien, une bon bonne courage. Journée. Ouais, à plus tard. Beaucoup. Bonne soirée. À plus tard. Bonsoir. Et moi, je vais vous prendre 4 minutes à cause avec de l'eau, s'il vous plaît. 4 minutes à cause avec de l'eau, j'arrive. Merci. Merci. De rien. Oui, c'est moi sans vous, là. Je sais. Non, t'inquiète, on t'a vu. On m'a appelé la madame Sac. La radio à l'oreille, je dirais même. T'as fait l'école du rire, toi, hein? Bah écoute, c'est vrai que... il a mangé un petit clown ce matin, c'est la facture. Y'a pas de soucis, allez-y. T'inquiète, pas besoin de couler, là, on n'est pas à 2 minutes près, là. T'es tout seul, on comprend que c'est... Ouais. Mais oui, je dois voir ton patron quand il vient de congé, là, parce qu'après les fêtes, parce que la dernière fois, il m'a dit que vous étiez complet, mais j'ai l'impression que vous êtes nickel, pas trop belle en ce moment. Du coup, je vais venir le tenter ma chance. Ouais, non, mais je te dis, il faut que tu postes, tu lui envoies un message, et puis il nous a pas dit d'ici 15 jours, une semaine, place, il sera, non, parce qu'il y a des gars là qui sont pas là, je sais pas s'ils sont en vacances. On est arrivé à 4. Mais c'est clair que, tu vois, il manque du personnel, parce qu'il y a personne. Il aurait dû mettre des gens qui soient présents, quoi. Ouais, je sais, là, normalement, j'ai Maywen qui doit m'envoyer un message quand il y a une place de disponible. Ouais, mais elle était toujours sous-entendre des choses. Maywen, déjà, en plus, elle a déjà un homme. Et c'est juste, je la connais d'aller à la couture, elle est gentille. Putain. Non, mais t'inquiète, je te comprends, Bob. C'est vous pas parce qu'on parle à une fille directement, il y a quelque chose. Non, mais t'inquiète, c'est Daniel Monoku, il fait. Non, mais elle sort avec. Monoku, c'est un jaloux. Ouais, je sais qu'elle a quelqu'un, Maywen. Mais bon, bref, ouais, tu vois, par exemple, là, il y a 3 personnes, ils sont pas là, par exemple. Tu vois, il manque 3 personnes. Ouais, mais les deux que je vois toujours, c'est toi et Maywen, hein. Ouais, et puis il y a d'autres gars qui viennent un petit peu, mais là, il y a 3 personnes qui manquent, tu vois, déjà, c'est ça se sent. Après, là, je comprends, c'est les fêtes, donc il y a peut-être des gens qui sont pas partis en vacances totalement, donc c'est peut-être pour le seul. Ouais, mais il aurait dû faire son planning avec des gens qui sont présents, quoi. Alors, après, ouais. Il avait pas trop le choix, hein. Non, après, il aurait pu prendre pour les vacances, quoi. Ouais, mais bon. Tu vois ce que je veux dire, il y a des gens, ils sont disponibles, d'autres non, il aurait pu prendre en contrat intérim d'une à deux semaines. Ouais, mais ça, tu sais, hein, c'est un métier. Ouais, hein. C'est le business. Hein. C'est un métier, hein. C'est comment tu t'organises. Après, voilà, quoi, nous, on est là pour tenir la boutique, parce que bon, sinon, il va pas faire d'oseille, et nous, on n'aura pas de prime. Hein. Ouais, après, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, il y en a peut-être qu'on peut appeler venu qui n'est pas allé en vacances aussi, donc il a peut-être pas pu playboy, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est particulier, mais je pense qu'à la rentrée, ça devrait y aller. Ouais, je pense. Enfin, je pense, j'en sais rien. Hein. L'ancienne patronne, c'est pareil, elle avait plein d'employés et tout. C'était tout pourri, il n'y avait jamais personne. Donc, allez, je sais pas. En tout cas, on va essayer d'organiser un espèce de service journée et nuit, quoi. Ah, ouais, on pourrait voir ça comme ouais, ça. Je comprends. Bah, là, en ce moment, c'est ouvert toute la nuit, quasiment. Jusqu'à 6h du matin. Hein. Après, il faut toujours envoyer un petit message. Et puis, si on peut vous livrer, on vient vous livrer. Sinon, bah, vous venez manger, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, tes yeux, ils sont sombres, hein. Putain, non, c'est bluffant. Il a eu un spasme, je crois. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, putain, j'ai vu ses yeux, j'ai sursauté, con. N'est pas peul comme ça, mon couille. Non, j'ai pas peur. J'ai un couteau des poulets, moi. Hein. J'ai un couteau de poulet, d'accord. Ah, putain, okay. Ça déconne zéro. Wow. J'ai des spasmes. Et t'as vu comment il manie ça? Oui, comme un plot. Ah putain, ça c'est un bon ça. Il va te faire une petite coupe au lavatoire après. Ouais, en parlant de ça les gars, je vous regarde tous les deux là. Ce serait pas le moment de m'amener au coiffeur là. Ah ouais, si je crois. Ouais, je crois aussi. Hein. Ouais, alors, en plus, tu ressembles à un sale mec à la même coupe là. Et lui, si on peut te courir. En plus, t'es en violet, alors on risque de te confondre avec lui là, putain. Ah ouais. Ouais, un sale mec. Bon, quel genre elle de bien, sale mec. Non, alors. Un gars qui a peur de rien, tu vois ce que je veux dire. Regarde bien sa tête.
Tu le gardes bien. Non mais lui là, tu le gardes bien sa tête, on dit il est une monocouille, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Une monocouille mal lasée en plus. Ah écoutez, ça c'est entre vous hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est sa tête, elle nous a fait penser à ça, du coup on l'appelle tous comme ça maintenant. Ouais. Attends, excusez-moi, je vais juste sortir un scooter parce que j'ai une commande. Ouais, pas de soucis, nous on va te laisser pour la baillette, tranquille, t'inquiète. Ok, bah bon courage, bonne journée, ouais, puis à plus tard. Oui, merci à toi aussi, bon courage. Ouais, au plaisir, au revoir. Au revoir. Ouais, on est là, Dio, on a entendu ta petite voix. Ouais, salut. Bah là, on est parti au coiffeur. Oh là, faut que je vous voie, toi, moi et John. Ok. Vas-y, ouais. Ouais, tu sais si John il est... John, t'es là? Oh, Glossacacouille. Ah ouais, t'es là, Glossacacouille. Ouais, salut, John. Faudrait que je vous voie tous les deux, j'ai deux trucs à vous dire. Ouais, j'ai entendu dans la radio. Appelez, on peut se voir là avec Tic et Monocouille, ils sont au courant. Pas de problème. Ouais. Vous avez bien dormi les deux là? Laisse-moi conduire vite fait s'il te plaît. Bon bah super. Vas-y, conduis papa. Merci. Papa? Non mais sois pas choqué, c'est... C'est une longue histoire. Bob. Non mais c'est faux, c'est bon. Bob. Je tente de faire des blagues, c'est pas drôle. Bob. Oui, on se le trouve au magasin de pêche là, où on peut acheter de la canne à pêche si vous voyez. Non mais Monocouille tira chez le coiffeur plus tard hein, pour le coup. On se la disclait là-bas et au moins ça se la pas trop flagrant qu'on fait quelque chose, enfin qu'on parle. Ah, faut qu'on se trouve un putain de bâtiment abandonné, ce serait cool. Non mais c'est trop indiscret ça. Bah ça dépend. Ouah, tu me parles de l'illusion, tu rentres là-dedans comme ça, sans pression. J'étais pas prêt. Oui, j'ai pas le temps, pas le compte, ça flaine pas. Oh putain, on a gagné ma putain de ceinture hein. On est gagné, ouais, ça flaine pas très bien, c'est quel pas enculé. Ah non, moi j'adore les gars qui adorent. Attends, prendre tu des pas... comme ça. Ouais, tu veux la mettre un peu plus d'aliel pour les... Ah, je crois qu'elle fume un peu. Non. Eh Bob. Ah si. Oui. Tu sais si les gens ils cachent des trucs dans les poubelles par ici des fois? Je sais pas. Je clois pas. Hein. Ah moi si, c'est pour ça je te demande. Attends. Ouais dis-moi. Attends. En fait. Quoi? Et j'ai un souci. Oui. Attends d'accord. Monocouille, j'ai un souci. Est-ce que tu peux aller à la voiture et ressortir? Ouais. Ah non, c'est bon. En fait, c'est bizarre, je t'entendais à la voiture. Ah, ok. Du coup, Bob, tu vois les petites poubelles noires, là? Pas celles-là, les poubelles noires... Nickel. Ouais, pas celles-là, là. Tu sais, plus des poubelles comme ça, là. Attends, comme ça. Ouais. Non, c'est des poubelles fixes. Alors, comment je peux t'expliquer ça? C'est des poubelles métalliques, noires, ouais. Avec des rayures. Genre... Dans certaines villes, bah les gens ils s'en servent de coffre. D'accord. Tu vois, et genre en gros tu déposes ton argent sale, tu déposes tes armes et tout, et ça te permet de cacher des trucs sans avoir à y cacher dans ton coffre d'entreprise ou dans ton coffre de voiture. Ah ouais. Et du coup des fois c'est intéressant de fouiller 2-3 poubelles. Ouais. Mais en fait c'est pas possible. Oui, attendez, je le viens. Ok. Oui madame, ça va ou quoi là? Oui, ça va tranquille. Allez, viens, on y va là. Hop, elle fait, je note. Ah, merci à toi. Allez, à bientôt. Hein. Oui, c'est bon, je suis là. T'es allé pécho? Oui, je prenais le numéro. Toi, tu du vas coup, faire l'as passé grand-mail. Pas le compte. Oh, oh mon gars là. La mandale du seigneur. C'est la puissance ça. Comme ça. Quoi? Ah, ça t'a pris comme ça, te l'a goumé. Non mais il parle mal là. Il parlait trop. Mal en plus. Ah ouais. recule. T'as pas vu la gifle que je lui ai mis ou quoi? Je lui ai mis un level, il est tombé comme une merde. Ouais un peu ouais. J'ai tout vu, j'ai filmé même. C'est la force du Malabou ça je vous l'ai dit. Oui moi aussi j'ai la GoPro là sur le montos.
Qu'est-ce qu'il fait là? Non. Ah, ça fait froid. Je voulais la sortir, mais ça fait trop froid. Bah. Tu l'as plus? Ah, j'ai réfléchi entre temps. Je me suis dit, ah non, ça fait froid quand même. Tu vois. Ouais, vous en êtes valou, les amis. Yes. Faut l'électricité à vue de ta tête. Ouais, d'accord, elle était en homme en col. Non, elle était pas là. Ah, ouais, d'accord, ok. Du coup, ouais, on vous attend toujours au même endroit. Faut qu'on discute. Mais je te dis là où on pêche, tu te l'appelles là où il y a le magasin pour l'acheter les apparts? Ouais, on est là, comme okay, ça on est. On est tranquille. Et au bout de la fête, on peut discuter tranquille et on n'est pas trop en mode de, genre on est caché, genre on a le casse-là au clocher, tu vois. Ah oui, attends, elle est bonne celle-là aussi là. Eh oui, Shelly, poulant pas la pose comme ça. Hein. Ah oui, en fait, t'es dégueulasse. De frapper tout le monde. Oui, il plante des photos. Pauvre le con, pousse-toi. Wow. T'as pas vu qu'il plantait des photos ou quoi? Non, j'ai pas vu. Il a sorti son téléphone là. Pas le compte, putain, tête, faut qu'on en allait là. Ouais, et on peut pas les soulever, c'est chiant. Ah ouais. Putain, les gens chiant. Vont se poser des questions maintenant. Il est où, Monocouille? Comment tu prends une boule de neige? Ouais, tu penses pas à ton muscle plus. Merci. Oh putain. Vas-y, on pue la merde. Je lance l'euro à chaque fois là. Oh. Ouais, dans le cul. Je commence à faire des roulades. Il va passer loin celle-là. Oh, dégage toi. Oui, c'est bon, je l'ai touché. T'as un chewing-gum, Bob. Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Viens pas là, là. Tu fais quoi, Monocouille, vraiment en fait? Oh, tu fais quoi? Ouais, t'appelles du T-Lang? T-Lang? C'est vrai que moi j'en ai trois. Oui, c'est vrai. Arrête! Aïe, ça fait mal. Il y a des cailloux dedans, en vrai. Ah ouais? Oui, regarde. Attends, regarde. T'as vu? Ah! Culé, va. Mon mollet est gauche. Fais un petit saut de câblé. Ouais, en vrai, il y a de la neige, il y a des cailloux dans la neige. Tu penses que je peux faire une grosse boule de neige? Je crois pas. Oh! Oui, t'en as combien? Je sais pas. Oh merde! Aïe! Oh, désolé! Ah! Ça va? Ah ouais, attends, je vais appeler, j'ai besoin d'un peu de pommade sur le dos. Non! Si.
Mais vas-y, je t'amène après. M'appelle pas. Non, je vois un peu flou. Oh putain. Je suis un connard. Désolé, mec. Non, mais tranquille, hein. C'était pas voulu. Bah non, pas maintenant. Non, je sais que j'avais encore le cou un peu flacassé, donc... Ah merde. Oui, attention, je suis Daliel. Oh, c'était pas loin, ça, dis donc. Oh, t'as eu peur, hein. Ah oui, j'ai vu ta main, Daliel, mon oeil. Je t'aurais mis ce genre de patate, là. T'aurais eu un hématome sous l'oreille. Oui, je vais fumer une cigarette en les attendant là parce que. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con là-haut? Je sais pas, il se promène. Je pense que c'est une bonne idée quand même. Il faut que j'aille en racheter après. Plus tard. T'en veux une? Non, j'en ai, il m'en reste une après celle-là. Ah d'accord. J'ai pris deux paquets l'autre soir là, lui, Nicole. Pas moi. Bah moi, je me suis pris un paquet il y a une semaine. J'ai même pas fini. Tant mieux. Il les pompe pas encore, ce bande de con, il casse les couilles, il a jamais les pompes. Il tape dans le vide maintenant. Ouais, guette-le. Mais il est débile celui-là. Regarde-le. Iclo, il va devenir le fol. Ouais, mais le problème c'est qu'avec sa... Avec cette coiffure, niveau crédibilité, c'est plus, compliqué. Il sait plus pour le Karate Kid. C'est les shots qui arrivent. Ouais, Imonoku, t'as cru que t'étais Karate Kid maintenant ou quoi? Mais il a... Au fait, mec. Ouais. Il y a moyen que... Tu sais... Non, je suis là, c'est juste que je parle dans ma tête depuis tout à l'heure. J'ai besoin de solitude un petit peu, tu vois. Mais je suis là. Il y a l'histoire du label, tu sais. Quel label? Moi, de mon côté, tu sais, j'ai une histoire de label. Genre, il y a un label en ville et je les ai contactés et ils veulent me voir. Tu fais de la musique, toi? Ouais, ouais. Ah oui, je savais pas. Et le label, ils sont placés au niveau de... Ils sont pas loin de Wolf Street, tu sais, ils sont à Davies. Là où il y a le coiffeur. Ouais, je crois voir un peu plus où c'est, mais je suis pas sûr exactement. Ouais, mais il y a moyen que si je fais des sons dans leur label, qu'en même temps, ils me lâchent des trucs. Ouais, il faut voir. Pour l'instant, je m'en fous si je vais là-bas. Enfin, si je vais là-bas, genre, je vais juste faire des sons. Je vais jamais être là-bas, mais. Mais voilà quoi. Mais ouais, je fais des sons, mais il y en a un là sur le Life Invader. Ah ouais, il y a toi? Ouais, ouais. Attends, faut que je le gâte ça, là. Mais faut que tu descendes un peu quand même. T'as pas un lien envoyé en mail privé ou pile? Ouais. Dans les mails, attends. Vas-y, attends, je vais essayer. Putain, vraiment, les EMS, ils servent à rien du tout dans cette putain de villa. Eh oui, c'est bizarre là. En vrai, ça m'a dit que tu m'avais fait un truc grave alors que je sens lien. Mais je vois flou. C'est bizarre là. Ouais, ils en sont où les deux autres là? Oui, je sais pas. Tracy a dû vider son cerveau. Ah, ok. Deux, trois tours de la zone là. Oui. Bah, je m'aère un peu avant d'aller me faire couper les cheveux. Ouais, Bob, c'est quoi ton nom sur le mail? Oui, c'est. Alors, mon adresse mail c'est bob.tekel@discord.gg. Yes. Ouais, John, Tracy, elle est toujours pas revenue?
Je les trouve pas, Bob. Non, j'attends. Je te trouve pas, tu mais au pire, moi. Ouais, non, au pire, moi, envoie-moi un mail. Oui, et je t'envoie le. C'est que quoi je... Vraiment, je te vois pas. Bah, c'est Jake Harrington. Ok. Ouais, non. Ah, ouais, je crois que je suis en... un peu caché sur le mail. Ah, ouais, t'es un peu quelqu'un de privé, quoi. Oui, c'est bon. Bah c'est bon, je t'ai envoyé. C'est pas le fait, hein, j'écoute ça. C'est pas ouf, hein. Ouais, tu passes devant 10 000 personnes sur la GoPro, hein. Yes, bah écoute, non, c'est une blague, il y a trop la belle soirée. Je sais pas dans bah, quoi je me suis fourré, un jour je me tiendrai au-dessus de ces enfoirés. J'espère ne pas tomber dans ce genre de peau foireux. Je me sens seul comme Aude Bayard dans la forêt. Je me lance d'avoir le flot de ces putains de forains. Artifice sous les yeux comme une putain de fête foraine. Je suis tout seul en ce moment, je suis paré pour l'effet fort. Je me battrai avec lui sans l'aide de mes frérots. Enfermé sous cadenas dans la cage, personne n'en a les clés. Oh, hey, Bobby. Bob. Ouais, attends deux minutes, j'écoute le son de Tic. Ah, comment ça, le son de Tic? Bah moi, je suis un peu un rappeur professionnel depuis 8 ans et demi. Comment ça, un rappeur professionnel? Ouais, ça fait 8 ans et demi. Bon, 8 ans et demi, c'est peut-être un peu abusé, mais... Vas-y, envoie. Attends, je l'envoie, j'ai le mail déjà. Je te l'envoie, Monopoly. Tic, envoie. Il va te l'envoyer. Je galère à trouver les gens par mail. Ah ouais, j'ai reçu là, bouge pas, j'écoute. Un peu stressant d'un seul coup que vous écoutiez tous comme ça là. Tranquille, je t'ai dit en plus, ça se l'a même sur le. Sur la. Le diff de la GoPro. Ah mais ça je m'en fous, tu sais, en vrai je... Je crois que j'ai fait une très 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 grosse bêtise. Ouais, t'as fait quoi? J'ai peur de le dire. Ouais, t'as fait quoi? La voiture de Tristy était ouverte, du coup j'ai fait des donuts. Ouais, et les pneus ils ont éclaté? Je savais pas que la neige éclatait les pneus. Ouais. Ah là, il y en a entendu, c'est bon. Je m'attendais à pire, ça va. Je suis pas sur le place, j'ai rien vu. Ah, bah y'a Coco à côté, j'ai Axel. Y'a Coco? Passe le bonjour. À côté, mais non, bah bouge pas, parle pas, rien. Ah ouais, ça c'est Coco, souvent fait la statue. Bah je vois ça. Si à vous, je te lui dis là, il y a Bob, il lui dit bonjour. Pas de problème, pas de problème. Ouais, ça va? Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est après, c'est un peu du rap de Yankee, hein. Moi, ouais, je suis un gars de la rue, pas. Le rap de Yankee, c'est bien pour les minettes, quoi. C'est pour draguer les minettes. Non, non. Tu veux attirer des chouins. Non, mais après, mec, faut bien comprendre les paroles. Ouais, tu sais, après, en termes de lyriciste... J'écoute quand même du beau monde aussi, hein. Je veux dire, c'est pas moi, la porte était fermée. Non, après c'est bien, pour un gars qui fait ça comme ça, c'est cool, hein. Yeah, bah ouais, merci, mec. Bah, de rien. Eh, je t'ai jamais demandé ton âge, au fait. J'ai 23. T'as 23 ans? Ouais. Ah, ok. Et toi, 48, je suppose? Non, t'es un malade. Non, franchement, moi j'aime bien, je trouve que c'est plop. Hein. Bah écoute, merci bien. Après, j'ai vu, il y en avait d'autres, non? Ouais, il y en a d'autres, mais il y en a d'autres qui arrivent. Mais après, ça, à la base, c'est sur le continent, tu vois. Ouais, je vois.
Tranquille, attends, je vais écouter un peu les autres. Je vais ouais, non, mais je te le déconseille. Je te déconseille de tout écouter. Je te conseille d'écouter juste les peut-être les 3-4 dernières. Les autres, c'est pas ouf. Ah. Oui, bah je vais mettre ça là. Ça va passer dans mes AirPods sur la GoPro. Nice. Ah, le souci, c'est que moi, tu vois, tout ce qui est rap, PNL, tout ça, c'est ce que j'aime le moins. Et... Bah, à la base, je pensais la même chose et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais et que j'aimais. Donc, Ah, bah, tu sais, après, chacun les goûts, les couleurs. C'est... Ouais, après, moi, c'est différent parce qu'à la base, j'aime pas PNL, mais j'aime... Enfin, j'apprécie les sons que je fais. Moi, tu vois, je suis plus dans le kickash, t'as vu. Genre, Ah, mais je peux aussi. Faut que ça... Ouais, ouais, j'ai vu. J'ai entendu plus bas dans tes vieux sons, t'étais plus dans un délire comme ça. Ah, ouais, non, mais ça, c'est pas grand chose comparé à ce que je faisais avant. Mais ça a disparu tout ça. J'ai changé. Ouais, d'accord. Ouais, pas le compte, tu viens pas me voir l'appeler en me réclamant des sous, hein. Qui ça? Bah, toi, là. Mais j'ai. Mais pourquoi? Tu vas pas me dire la planète analyste, c'est copyright, hein. De quoi copyright? Ouais, ta musique, t'es con ou quoi? Ouais. Ah, non, mais t'inquiète, je m'en bats les couilles. J'avoue quand même, enfin, c'est un peu chiant en fait. Ouais, non, si je peux, j'essaye les mêmes deux de faire de la pub. C'est vrai ça? Oui, vraiment. Et moi, je te ferai plein de bisous. Oui, je l'ai pas aimé, je te l'aurais dit. Ah, t'aurais pas aimé, tu me l'aurais dit quand même? Oui, bien sûr. Ah, ok. Bah, écoute, ça se trouve que t'aimes pas du coup. Oui, bah non, sinon, je te l'ai dit que j'aimais pas. Et j'en ai compté pas une deuxième. C'est pas faux. Là, j'ai un son en featuring qui arrive. Oui, moi, je t'ai déjà dit, j'ai décolonné ça. Je vais pas te dire que j'aime bien pour te faire le plaisir. Ah non, mais t'inquiète. Si ah, mais j'ai capté ta personne. J'aime pas passer par le 15 chemin. T'as raison. T'as un featuring qui allait avec quelqu'un de la ville? De quoi? T'as un truc qui allait avec quelqu'un de la ville? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Non, tu m'as dit t'as un feat Calive. Ah non, pas avec quelqu'un de la ville. D'accord. Après, ouais, ça m'est déjà arrivé dans d'autres villes de faire ça. C'était ouais, drôle. Non, moi, perso, j'aime bien. Ben, nice. Après, j'aime beaucoup de styles de musique, mais genre, tu chantonnais comme une malle, je te l'ai dit, quoi. Ouais, mais bah écoute. Par contre, tu vois, t'as un petit truc sur la langue quand tu parles. Ouais, c'est possible. Chapeille ouais, ou quoi? Mais ça s'entend plus quand tu chules tes musiques que quand tu parles en ville. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est chaud. De quoi? Mais sur le Celtamo, t'as pas le Malqué qui a un petit truc sur la langue quand il parle? Ah ouais. Après, trouve... c'est un charme, moi, ouais, les rappeurs. Non, c'est pas contraire. Ça. Je trouve que ça s'entend plus sur sa musique que sur quand il parle en ville. SCH, Jazzy Baz, Akhenaton, ils ont un cheveu sur la langue, mais en gros, ça rajoute. Alors je sais pas si ça rajoute du flow, mais en soi, non, ça rajoute un petit truc. Hein. Tu vois là, là t'as jamais remarqué SCH? Mais c'est une perruque hein, qu'il a sur la langue. Non, mais c'est quoi SCH? J'aime pas. Ce que je veux dire, apparemment, je parle d'un kicker là. Oh, Jackie Tuning. Là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'avais pas le Malqué avant d'écouter la musique en fait. Ah vas-y, moi j'ai remarqué. Moi je trouve que ça s'entendait plus dans la musique que là. Et du coup là, quand il parle, c'est le Tamo, je l'entends. Maintenant. Ah ouais, ok. Ouais. Mais c'est parce que c'est au niveau du mixage, surtout. Oui, je vois. C'est moi qui le fais, je suis pas encore un professionnel. Tu fais le mixage non, mais... sur quoi, tonton? Reaper. Ah, ok. Eh, hey, par hasard, vous connaissez pas quelqu'un qui touche bien en image, les gars, ou pas? Non. Meld. Non, mais ça dépend pourquoi. Pourquoi faire? Oui, j'ai besoin de faire des trucs pour ma GoPro. Ah, bah pas tant que ça du coup, pour ça non. Ouais, moi aussi, moi va falloir que je m'y mette et je vais rechercher aussi de toute façon. Mais ta GoPro ça va, elle est pas mal hein. Oui, j'avais trouvé quelqu'un mais j'ai plus de nouvelle et... Tu veux faire quoi, une bannière, un truc? Ah, je veux faire tout le volet de la GoPro, je veux donner un nouveau logo qui est vraiment à mon identité. Enfin, parce que le logo que j'ai là, c'est genre un logo que tu... de droit. Ouais, c'est ça un peu. Je vais laisser un peu chier. Je vous après les gars, comme ils vont faire payer, je pense. Hein. Ouais, je me doute.
Après, bah, si tu trouves quelqu'un, faudra me tenir au jus parce que moi je vais me lancer dans le biz aussi. Hein. J'avais trouvé quelqu'un dans une ancienne ville qui était dans. J'avais pas ce call là ni lien, mais. Qui pouvait me faire ça et qui était dans le groupe avec moi, mais. Moi j'ai un proche à moi qui pourrait le faire, mais faudrait juste voir s'il a du temps pour le faire. Parce que là, ma GoPro, les gens qui s'abonnent à la GoPro et tout, ils ont même pas de badge ni lien, ces bandes de. Ça fait un peu chier, tu vois, pour eux. Ils ont. Ils me soutiennent un peu, tu vois, j'ai lien, je le donne ni en contrepartie, même pas un badge ni des émoticônes, du coup ça fait chier vraiment. Ouais. Bah, c'est la merde, va falloir voir pour. Bah, moi j'ai demandé à mon pote et puis je vais te tenir au jus de toute façon sur par mail. Ouais, tranquille. Après, j'avoue que pour l'instant, je cherche plutôt quelqu'un qui peut faire ça de bonne volonté parce que. Non, mais t'inquiète, hein, je t'ai dit, c'est mon pote. s'il me demande de l'argent, j'ai dit, va te faire enculer. Comme on en parlait hier le soir, tu vois, c'est un peu compliqué. Non, mais t'inquiète pas, hein, s'il me demande de l'argent, je lui dis. Après, si vraiment il faut, je peux comprendre aussi les gens, ils prennent du temps pour le faire ça, tu vois. Oui, non, mais au pire, si jamais il demande de l'argent, je lui dis, vas-y, tu me fais le mien aussi, et là, je te paye. Et puis je paierai pour moi, tu vois, et puis il fera le tien gratuitement. Non, mais je vais voir avec lui, il n'y a pas de raison qu'il me fasse payer. Avant, il faisait ça gratuitement. Donc bon. Il faisait les bannières YouTube, les trucs comme ça, tu sais, les vidéos d'intro et tout, là. Ouais, parce que j'ai le mieux fait de l'overlay parce qu'il est trop glauque, tu vois, sur mon image de GoPro et en bas là sur la plateforme Twitch, je le fais les petits panneaux un peu plus plop. Ouais. Après, c'est des émoticônes et les badges pour les abonnés, quoi. Ok. Ça va être galère à faire, je pense. Ouais, c'est des images un peu plus petites, du coup faut pas faire des trucs slow, dégueulasse, sinon quand c'est en petit, après c'est pixelisé, tu vois. Ouais, ça doit être galère à faire de ouf. Moi, ils en sont où sinon? Oui, je sais pas. Ouais, John, vous en êtes où? Là, on arrive chez la mère à Monocouille. Vous ferez un bisou de ma part. Pourquoi tu parles de ça? Elle est là, tu l'as ici du coup? Ouais, c'est bon. Ah oui, bah on vous attend là. Oui, putain, faut que je boive un coup là. On est à 800 mètres. 757 maintenant. Ouais, ok, d'accord. 700. Ouais, non, mais c'est bon. 184. Non, mais vous savez, il n'y a pas forcément besoin non plus de le dire. Ouais, faites gaffe quand vous arrivez. Arrivez pas trop vite, on est vraiment en plein milieu. Hein. Ouais. Et je vais me mettre encore plus près pour que vous traîniez bien. Ouais, justement, je te connais, c'est pour ça que je dis ça. 140. 400. Ok, en fait j'ai peur parce que je vais arriver très vite, donc dégale toi. 200. Je vais vous arrêter avec la force du Malabou. Cher. T'as vu la force du Malabou, j'ai évité. Ça freine pas. Oui, je sais, ça freine pas. C'est ça de foncer dans un mur au final. Voilà, t'as la ceinture bloquée. Bah, ça a freiné net, mais sur le coup, ça freinait pas, quoi. Je te dis, c'était obligé de faire la sieste de. Non. Bah, ouais, je vois ça, ouais. Ouais. Faut aller faire une sieste, tu peux pas détacher. Ouais. Tu fais chier, hein. Tu sais la lien toujours là. C'est pas faux. Là, ça enchaîne les siestes là. Bonne nuit. Hein. Ah bah. Surtout quoi, elle vient de se réveiller, elle est encore fatiguée. Putain, ouais. Les femmes quoi. Putain, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces pauvres gens là? En fait, il nous prenait en photo et alors, tout. Lui là, il m'a mal au legaldé, du coup, je lui ai éclaté sa glamelle. Et lui, après, il a pris une photo, du coup, je lui ai éclaté sa petite seule. Non mais hey Bob, il va falloir que tu te calmes là, je sais pas ce que t'as à ce moment. Attends, mais... Attends, il lui aussi là, attends. Non, tu le laisses tranquille mais... Ouais, casse-toi de là, là. Casse-toi là, dépêche. Allez, dégage. Je croyais qu'il fallait rester discret, Bob. Et je l'ai pas tapé, je lui ai dit. Barrière à l'entrée, il s'est croisé contre le mur.
Je l'ai pas... Ouais, c'est pas faux ça. Je l'ai pas tapé le gars, je lui ai dit de dégager. Ouais, mais les barrières sont arrivées. Les deux là, viens pas là, toi, pas le compte. Il parle à qui là? Ouais, il vient chez lui. Ouais, il vient, Népapel. Viens, viens. Mais Népapel, viens. Pauvre con, va. Casse-toi de là, toi. Allez, cool, plus vite, casse-toi là. Oh là là, sieste. T'as un problème, t'as un peu les nerfs, je trouve. Non, ça va, Paul, quoi. T'es sûr? Ouais. Ok. Par contre, ces EMS de fils de pute, ils font quoi là? Putain. Il me faut de la pommade là. Putain, mais je veux mon téléphone là. Putain. Ouais, t'as un peu les nerfs. Ouais, je sais pas ce que t'as fait, Bob là, mais t'es un peu vénère. Ouais. Ouais, non, tranquille. J'ai la musique attique dans mes oreilles, ça va? Ouais, là, c'est Dom. Ah, mais c'est pas ouf tout ça. Ouais, non, celle-là, c'est pas ouf. Pour quelqu'un qui débutait ou quoi, franchement, ça va. Je trouve. Mais merci, mais les meilleurs, c'est les dernières. C'est pas dans le même style, par contre. Ouais, ça a rien à voir, parce que c'est plus chill, les dernières. Mais j'aime bien, franchement. Mais merci bien. Je te dis, de toute façon, ça a été de la merde, je te le dis, c'est de la merde. Ah bah heureusement, j'attends yo. Ça. Ouais, yo man. Ah. Oh là. Mais t'as pas du tout été chez le coiffeur, toi. Bah non, on t'attend là. On t'attendait depuis tout à l'heure. Ouais, bon, attendez. On y va après, t'inquiète. Après la rue. Après la rue. C'est normal qu'il y a deux mecs qui font une sieste là. Ouais, c'est bon, ils sont encore énervés. Mais non, c'est pas vrai. Ah, il est arrivé, il a calé deux boîtes. T'as un problème, toi? T'as quoi, toi? Non, mais il y a une raison valable, il prenait des photos. Je t'attends pour me détendre. Ah. Alors, je peux pas me détendre? Non, bref, pas long, ça a lieu deux minutes. Oui. On a peut-être deux personnes, voire trois, pour le rejoindre. Pour nous le joindre. Ouais. Ils ont quelque chose de très intéressant. Ouais. Ils ont le point de vente des armes illégal. C'est qui? Ah ouais, ouais, ah. Ouais, du coup, eux, ils sont que trois, c'est trois frères. Je lui ai dit, au lieu qu'on fasse comme ça, qu'on t'achète le point. Parce que je lui ai dit, vous êtes combien? Il m'a dit, on n'est pas beaucoup, on est trois. Je lui ai dit, au pire, on peut faire quelque chose de plus simple, c'est peut-être de travailler ensemble. Ils sont pas fermés à ça. Appeler c'est à vol, moi je lui, c'est ce que je lui ai expliqué parce que lui il voudrait pas que le point tout le monde l'ait, etc. Je lui ai dit appeler dans le groupe, t'es pas, enfin tu peux l'être au courant d'un truc mais lui il peut ne pas l'être, tu vois. Appeler. On devait parler de ça avec vous et le voile avec eux. Parce qu'au début en fait j'ai pensé à les soulever et... parce que je sais qui c'est la personne, ouais, moi je le connais. J'ai pensé à le choper dans un coin et lui soutirer les infos, mais après, honnêtement, s'ils sont que trois, autant les prendre avec nous. Attends, tu te rappelles hier, John, quand on était à la boîte de nuit? J'ai sympathisé avec le videur qui a les cheveux blancs, là. Oh, peut-être, ouais. La queue de cheval. Je sais pas, moi, je regardais la danseuse, moi. Ouais, ouais, bah je me doute bien, ouais. Bah, en fait, il était okay. Pote avec les deux gars, là. Ok. Ouais, c'est de là qu'ils ont dit, ensemble, par contre. Non, mais ils travaillent pas ensemble, mais ils voulaient nous faire un rabais de 20 000 parce qu'on était potes avec lui quand même, donc ils doivent être proches. Hein. Je sais pas s'ils traficotent ensemble, mais du coup, ouais, on a bien sympathisé avec eux, ils ont l'air clean. Après, ça fait très peu de temps qu'ils sont en ville. Justement, c'est ce qu'il faut. Il faut des petits nouveaux, comme ça, on est quelqu'un de confiance. De ouf. Bah, voilà. Je suis d'accord avec vous, il y a un truc que je suis pas d'accord. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu disais, Bob, en disant comme quoi que si on a un qui est au courant, par exemple, lui en face, c'est pas obligé d'être au courant. Je pense que pour être un groupe soudé, il faut qu'on se cache rien. Ouais, non, je veux dire pour le début. Ouais, tu vois de ce ouf, que je veux ça dire. D'ailleurs, je voulais en parler quand non, on était tous ensemble parce que j'ai pas. Ok, c'est bon, il y a de la coke dans le coffre à Bob, j'ai rien dit. D'ailleurs, c'est le deuxième sujet ça. Léo, son coffre? J'ai un truc à récupérer. D'ailleurs, c'est le deuxième sujet ça. Ouais, faut que je parle de la coke aussi après moi. Ok, c'est bon, j'ai le traitement de coke, j'ai la récolte de coke, j'ai la récolte de meth, mais c'est pas moi. Ouais. D'accord. Alors, justement, on parle de ça. Voilà, il n'y a plus de secret. Voilà, ouais, on est de la consul, ça. C'est juste, après, comme on avait dit au début, c'est normal qu'on puisse pas faire confiance. Oui. Après, en parlant de coke, j'ai rendez-vous avec l'effet des vagos ce soir. Wow, pourquoi faire? Pour le coiffage, tu crois, ces soldats de Meld, ils viennent me proposer de vendre de la coke, ils ont cru j'étais qui? Ah, de ouf. Moi, je lui ai dit, je veux pas vendre.
Ah, il a pas baissé son pantalon, il a fait le bonhomme. Appelez ces ouais. soldats, ils prennent la confiance, ils parlent comme des fous là. Tu peux pas le ouais. parler avec des soldats, tu vois. Ouais, mais t'es au courant qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues, on a tous leurs trucs à eux. Hein. Oui, mais justement, ouais. c'est pour ça que je vais aller parler avec lui. Iman. Ne leur dis surtout pas que tu l'as, hein. Non, sinon t'es mort. Parce que là, ils recherchent toujours les deux gars qui ont oui, je sais, piqué je... la coque. Hein, donc. Je suis pas fou. Ils m'ont, demandé... nous, ils, vous ont vu, hein. ils m'ont demandé combien on était dans le groupe, je lui ai dit on était 5. Alors qu'on n'est pas vraiment 5. Ouais. Il m'a demandé s'il y avait des femmes, je lui ai dit non, on est que des hommes. Hein, ouais. Oui, je suis pas fou quand même. Mmh. Après le problème, c'est que t'as vu, on a été acheter un tacos, on en a croisé directement, mais ils nous ont dit ouais, c'est que... eux votre groupe. C'est parce que tu vois, il y avait Tracy avec nous, c'était déjà baisé. C'est avec eux deux, j'ai parlé. Mais pourquoi tu peux avoir des amis qui sont pas dans l'illégal. Ouais, mais bon, il est arrivé, il a dit ouais, c'est eux votre groupe, c'est eux ton groupe, t'as vu direct. En mode, c'est rodé quoi. Ouais, et je lui ai répondu quoi. Je sais plus, moi il m'a énervé, j'étais énervé. Je lui ai dit non, c'est juste que tu peux pas parler avec des soldats, oui. Ouais, t'as raison. Tu peux pas parler avec ces geôles de Pelsen. Ah, du coup, moi hier on m'a parlé, on m'a dit que la coke valait moins cher que la weed, et du coup j'aimerais avoir des infos là-dessus. Alors, apparemment, de ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, quand ils ont voulu me proposer de le vendre, alors le premier achat qu'on fait chez eux, ils te vendent le pochon de 250. Ouais, c'est moins cher que la weed. Non. Eux, tu ça dépend ce que tu gagnes. Tu l'achètes à 250. Après le deuxième, c'est 200. Après le troisième, 150, etc. Jusqu'à 100$. Et après, c'est fixe 100$ tout le temps. Et Joël, apparemment, tu peux le vendre le pochon entre le 250 et 500. Ouais, mais putain, mais on a le truc quoi. C'est parce que moi, le gars du gang que j'ai vu, il m'a dit que. Il m'a pas dit ça. Justement, c'est pour ça que je veux pas parler avec les soldats. Ouais, c'est non, mais t'as rien. Eux. Parce que moi, le gars, il m'a dit qu'à la revente, la weed, on gagnait plus que la coke. Après, si j'ai fait ça, c'est que je suis pas fou. Je suis... Tout le monde me connaît, genre à l'Unicorn et tout ça. Non, c'est l'avantage. Je pense que je peux aller là-bas et le pal deal sans lien grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et moi, ce que je veux parler avec lui, c'est juste qu'on ait une bonne entente. Genre, on travaille sur la coke et après, on contre le pal deal, ils prennent quelque chose. Ça, c'est là normal. Je pouvais pas négocier le truc gratuitement non plus. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Après, surtout, ce qu'il faut leur demander, il faut que tu arrives à leur placer. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que même si tu vends un petit peu pour eux, il faut gratter le blanchisseur, en fait. Oui, mais bien sûr. Parce que moi, hier, quand j'ai parlé avec le gars, la vente, je lui ai dit oui, mais par contre, je veux rencontrer un blanchisseur. Genre, mon argent sale, je veux la blanchir. Après, leur gang de merde, on s'en bat un peu les couilles. Hein. Comme il dit, on va se mettre des bâtons dans les roues, de toute façon. Oui, mais non, bien sûr que non. Regarde, si t'arrives à être en bonne entente avec eux, pourquoi tu veux pas le tirer en gueule? Bonne entente, mais on a le même, on a les mêmes réseaux, enfin les mêmes points. Ouais, alors on j'ai réussi à piquer leur réseau, et là tu veux te mettre en alliance avec eux. C'est ça, c'est risqué, moi. Mais ouais. Ouais, et pourquoi? Tu veux y aller avec ta bite et ton couteau pour l'instant? Bah non, mais non, mais tu vas pas les voir tout simplement. En tant que vendeur simplement, tu vois. Attends, et il y a quelqu'un qui arrive là. On est. Oui, bonsoir. Bien le bonsoir. Il se passe ouais, quoi salut. Ici bonsoir. Ouais, tranquille, les gars. Bah, rien. On fait des d'accord. batailles de boules de neige. Ah, ça a l'air marrant. Ouais, bah, eux, ils ont eu un peu trop mal, je crois, à cause des cailloux qu'il y a dans les boules de neige. Ouais, sympa ah ouais. vos chaussures, monsieur. Grosse bataille de cailloux. Ah, c'est la nouvelle marque, ils sont trop stylés. Ouais, non, non, c'est que des fois, il y a des petits cailloux dans les boules de neige, à folle, ça fait mal, c'est pour ça. Ah, ouais, d'accord, à Jean-Jean. Ouais, vous allez faire de la pêche. Ah, gros, on est nouveau sur le savant, on sait pas trop ce qu'on va faire. Hein. Ah d'accord, bah si tu veux faire de la pêche là-haut, t'as la canne à pêche et... La ville. Ouais, oula. Ouais, y'a quelqu'un qui a des petites interférences dans ses cordes vocales, hein. Ouais, j'ai entendu aussi, ouais. C'est peut-être moi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être moi aussi, hein. Non, ouais, c'était pas, à ma gauche. Ça fait... Ah ouais, ça fait mal, là, aïe. Par ouais, eux, ils cassent les couilles, pas le compte, là. Je peux vous le cacher. Je pense pas que c'est avec les boules de neige que tu m'as envoyé que tu m'as cassé quoi que ce soit, Bob. Oui, si, ça fait mal vraiment les boules de neige. Ça fait mal. Ouais. Oh non, les gars. Tu veux que je te remette les choses en place là? Non, ils me disent que c'est. Non, c'est bon. T'inquiète. Mais sinon, vraiment, c'est juste que si on fait ça, au moins on peut travailler tous tranquillement sur le point. Tu vois ce que je veux dire, je donne ou pas? Mais non, on pourra pas travailler sur le point. Ouais, parce point. Que c'est leur. C'est on leur sera obligé de leur payer.
Ouais, y a play c'est ça, début. Moi qui m'embête. On l'a gratuitement et il faut payer. Ils vont prendre contre le paletier au début. Il y a 250$ le truc alors qu'on peut l'avoir gratos, ça fait chier. Quoi. Non, je parle pas de. Justement, je veux pas vendre le pouleux. Même 100$ quoi, c'est. Non, justement, je veux pas vendre pouleux. Après. Ah, je vendrai pour eux s'il faut. Hein. Le problème, c'est que pour l'instant, si on y va, on a notre but et notre couteau là. Mais qu'on va où? Mais si on va faire le même de la coke ou même n'importe quoi. Ben non. Tu viens de dire contre quoi il y a trois gars qui ont le truc illégal, donc non. Oui, bien sûr. On peut vite fait choper des armes et on le serait 8. Ouais, même si on tombe sur quoi? Sur 4-5 vagos, on sera plus nombreux et plus armés. L'agence, tu l'as fait comment au début? Ben faut voir avec tes trois gars, justement, s'ils ont ça. Déjà, on a les armes et on a le trajet de la coke, enfin les points de la coke. Tu sais qu'il y en a un qui m'a proposé pour la vente d'armes illégales 300K. Ouais, bien comment sûr, ça, 300K? On peut lui vendre 300K. Mais lui, bah là, nous, on l'a pour 80 000. Lui, nous a proposé 100 000, après, il nous a dit 80 000, sauf qu'on peut l'avoir gratuitement, je pense. Et on l'a... Ouais, Mike, hier, il m'a dit... Ouais, parce que quand t'es parti, j'ai reparlé avec Mike. Et Mike, il m'a dit, tu sais, ça m'arrangerait si on n'est pas à vendre le point et qu'au final, on se mette ensemble bien pour sûr. Que, tu vois, ça reste entre nous. Mais bien sûr. Que ce soit pas un groupe extérieur au leur, le groupe si, de deux qui est le point. S'il n'est pas débile, c'est logique. Exactement. C'est moi, quand j'arrivais en ville, mon but, c'était quoi? C'était de créer un groupe. Ouais, moi c'était pareil. Hein. Ouais, mais là tu l'as John déjà, tu vois. Ouais, 8, ça, bah, il est là, hein. 8, c'est parfait. Déjà on est 5, plus 3, ça serait vraiment parfait. En plus allez, de plus ils de. Ils ont vraiment 2, après ils ont un troisième flèle qui est là, mais pas trop là, quoi. Ouais. Après, ouais, le troisième frère il est pas là. C'est un peu comme. Tic. Mais en fait, là, ce que je te dis, c'est juste que ce que je veux faire avec les Vagos. C'est pour le pouvoir avoir de l'argent sale au début, tranquillement justement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends, mais bon, je te fais confiance, ma bonne. Parce mais que... je vois pas l'intérêt, mais je te fais confiance. Bah, c'est juste que en vrai de vrai, si on peut avoir une bonne entente avec eux, je préfère le donner, je sais pas, on va dire le 5 ou 10% de ce qu'on fait, que de partir en guerre, hein. Je vois pas pourquoi tu veux partir en guerre, en fait, c'est ça le truc. Tu crois on va, ils vont nous trouver sur la coque, ils vont faire quoi? Ben ils nous trouvent pas, puis voilà, tout simplement. Ouais, le gars, t'as été à deux endroits, on est tombé sur le 1. Hein, et sur le d'autre. Ah oui, mais regarde, on a fait demi-tour, on est vu, il est connu. Et pose ça, toi. Ouais, mais justement, en attendant, on peut rien faire. Ouais. Écoute, tu vois ce que je veux dire? Pas fait exprès, je vois. C'est que personnellement, je préfère éviter la gueule, c'est pas bonne chose la gueule. Pour l'instant, on n'a pas à avoir de guerre, ils savent même pas qui c'est. Oui, bien sûr. Le seul truc qui... Excusez-moi, je voudrais pas déranger votre petite réunion, mais avec mon ami, on essaie de pêcher, on a un peu de mal. Oui, vous avez acheté une canne à pêche? Ouais. Vous avez le pli des appâts? Ouais, aussi, pareil. Et bah, vous allez là-bas, là, vous lancez votre canne à pêche, là, et vous allez voir, le bouchon, il est dans l'eau, mais vraiment tout en bas, au milieu de vos lunettes. D'accord. Et quand vous voyez que vous les voilez juste le petit anneau du bouchon là, et quand vous voyez l'anneau de Dispalette, vous moulinez là, le moulinet c'est un F. D'accord, ok. Ça voilà. Marche. Ok, merci. Vous moulinez plusieurs fois F. Oui, voilà. Ok, faut bien mouliner. Oui, c'est okay. Ça. Ah oui, bien. Ça va, ça me connaît bien le moulinage, merci. Ouais, bon, ça marche. Bon courage. J'ai un petit souci, faut penser à quoi les gars pour. Pour se détendre un petit peu là. Là, je me sens un peu tendu là. Je me sens un peu figé. Bah moi, sur moi, tu penses sur N, mais vous, je sais pas. 4X. Oui. Ah putain, moi aussi, c'est le muscle X d'habitude, mais... Bah, je vais finir dos à vous et puis j'irai faire une petite sieste. Oui, mais tu peux... Ah ouais, bah aussi. Merci. Ouais, mais bon, déjà que j'étais blessé... Excuse-moi. Non, mais au moins, tu vois, tu m'as sorti de la merde, quoi. Oui, par si contre, quand il revient, je plante. Non, tranquille, on s'en bat les couilles. Okay. Ouais, du coup, le souci, c'est que... Écoute, moi, je te fais confiance, Bob, là-dessus. Hein. Mais, faut faire attention. Mais le problème, après... moi, personnellement, j'aurais pas fait ça. Ils savent pas qui c'est. Le seul truc qu'ils savent, c'est que c'est une moto verte, donc c'est pas nous. Voilà. Ouais, j'étais quand même un peu dessus. Hein. Tu crois que je vais dire que c'était nous la dernière fois peut-être? Je suis pas.
Ils peuvent non, me... mais ils peuvent ce qui va être le souci, c'est que ils t'ont proposé quoi là? Ils t'ont proposé exclusivement de la vente? Mais bien sûr, c'est des soldats, c'est des melds. Ils veulent pas te faire voir les points? Non, mais non. Mais non, c'est les non, soldats. Non, mais ça, ils le font jamais, ça. C'est les soldats, ils s'élevent à l'IA. Ils t'ont jamais voulu le blanchissement ou quoi? Ce soir, tu comptes négocier quoi exactement? Justement, le blanchissement, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de savoir où il est. Ah si si, c'est nécessaire, si on a le armes... On l'a pas de eux, de toute façon. Non non, parce que le truc des armes, on peut acheter avec l'argent sale. Bien sûr, voilà, c'est pour ça, on n'a pas nécessité de la voile, et après, si on a nécessité de blanchir, et qu'on s'entend bien avec eux, on peut leur le donner, même s'ils prennent un pourcentage, ils prennent un pourcentage, mais au moins, on a là du plop. Après, c'est... Perso, moi je suis à moins 2000, donc c'est assez important. Hein. Moi je suis à moins 12 000, là, c'est important aussi. C'est pour ça que j'ai essayé de penser à tout le monde en faisant il ça. Il nous après, écoute, si... hein, l'autre là-bas derrière. Hein. Ouais, 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 il bah, nous là-bas. On fait quoi? On va le goumer? Non, 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 il a nos visages. Putain, pour le fait que c'est pas Bob qui propose ça. Ouais, non, non, mais c'est que si on parle de choses sérieuses et qu'il y a des gens qui nous surveillent comme ça. Ouais, mais on parle moins fort. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Ouais, moi je suis chef. Déjà, on n'aurait pas dû être là, visage découvert. Mais bien sûr, mais. On fait le lien de mal en discutant. Ouais, on discute, c'est bon. Ouais, mais c'est chelou, il a raison. Je... Moi, mais... je t'ai dit un truc abandonné où on est en intérieur. C'est chelou de lien. Attends, va falloir trouver un sorte de QG quand on doit parler de choses comme ça. Parce que... Et moi, je pense savoir où trouver, mais bon, là... c'est assez loin. Mais... Là, on fait le lien. On fait des batailles de boules de neige et on balance l'ami. Ouais, mais on fait pas des batailles de boules de neige. Ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont arrivés, 10 minutes qu'on est en ronde et qu'on parle. Mais enfin, bref, après, moi, si vous me dites que j'y vais pas ce soir, là, je m'en bats les couilles. Si, 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 là, Bob, en bon contact avec eux, c'est cool, c'est l'avantage. Mais... Même sans ça, faut connaître que Bob, il a eu un passé et je fais confiance à lui parce qu'il a eu un très bon passé là-dessus. Après, moi, c'est juste que j'aime pas la gueule. C'est pas bon pour les affaires, tu vois. Je le si on fait c'est la pas gueule... bon, mais faut pas se laisser marcher dessus non plus. Non, bien sûr que non, ça. Si après... l'autre, tu veux te baiser la gueule, je suis désolé, 250 balles le bouchon, c'est bien sûr. Mais la gueule. Après, c'est les premiers plis qu'ils font quand tu viens la première fois, après ils descendent. Ouais, mais bon. Ils font un tarif folle au début, comme ça. Moi, quand tu dis que j'ai le pochon de weed à 100$. Hein. Mais bien sûr. Ouais. Direct. Après, lui, on a fait des petits trucs avec lui déjà, c'est pour ça, tu vois. Le trip. Ça se revend 250. Mais c'est pour ça, moi, en vrai, je suis pas obligé d'y aller ce soir, je m'en fous. Si, si, après. Si, si, il vaut mieux savoir ce qu'ils ont à te dire quand même, on sait jamais. Ça trouve, j'ai peut-être un bon truc à te proposer. C'est moi qui ai demandé de parler aux l'effet parce que je veux pas parler avec les soldats, ils savent pas lire. Bah alors. Tu attends. Peux pas discuter avec eux, tu vois. Après, limite, t'aurais dû me dire que tu bossais deux petites secondes. Ils sont pas assez prêts. Mais oui, j'ai soif en vrai. Ah, moi aussi, j'ai soif. Putain, faut que je boive un autre truc là. Ah, maintenant, j'ai des minutes à cause, Mel. C'est quand même bizarre pour les gars qui devaient pêcher. Je pense qu'ils ont pas réussi. Là, tu comptes leur dire quoi en fait exactement au Vagos ouais, ce soir? Il faudrait se mettre d'accord. Ouais, moi je veux négocier de pas vendre le poule, je voudrais. Comme j'ai dit à l'autre, je veux pas vendre poule vous, je veux le plus. Ah, mais quoi? Quoi comme plus? Moi je l'ai dit, si on peut. Enfin, je l'ai pas trop dit avec eux parce que je veux pas parler avec les soldats, mais moi ce que je veux parler avec le l'effet, c'est de travailler sur le point. Sur les points. Et je le même si tu as une contre le palti, c'est pas clair. Ce sera mort. Ouais, être indépendant. Ce sera mort. Ça sera sûr, ça sera mort. Moi je pensais pas que t'allais dire ça en fait. Non, oui, dans tous les cas ils vont demander quelque chose. Mais... Non, ouais, mais c'est sûr, ça sera mort. Parti. Et puis le souci c'est que tu seras au courant des points et dès que John il va essayer d'aller sur les points ou quoi, ils sauront que c'est nous, tu vois. Parce que t'es un des seuls au courant d'où sont les points et ce sera louche. Même sans ça, un gang ne te montrera jamais les points, je peux te le garantir. Donc, apparemment, ça m'est déjà arrivé après, mais il faut avoir du cul en fait. S'ils sont pas cons. Bah, c'est un gang de merde alors qu'il fait ça. Ouais, non, ouais, ouais. Ça dépend vraiment. En vrai, mais moi, je suis sûr à 100% que le Vagos se dira pas, mais bien sûr, monte avec nous, on va te montrer où est la coque. Ouais, 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 ça se passera pas comme ça, mais bon. Tu risques juste de partir avec un coup de couteau dans le ventre et c'est tout. Mmh. C'est pas grave ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ouais non, si, c'est assez grave quand même. Non, c'est lié. Non, non, vaut mieux que tu commences à bosser pour eux et après, au pire, petit à petit, qu'ils prennent la confiance et qu'ils montent après vers toi. Faut que ce soit eux qui te proposent, faut pas que ce soit toi, sinon c'est baisé. Ils le feront pas. Si après ils bossent et qu'il a la confiance, non, il peut. Il fait pas partie de leur truc. Donc... Ils sont mexicains, je suis le noir. Oui, déjà. Déjà, oui, t'as rien à faire. Ouais. Ouais. Bah ça pue la merde alors du coup l'histoire. Là. Pour toi c'est risqué, moi je dis ça. Ouais, moi, non, mais je propose pas, plus de vendre pour pas eux. Problème, exactement, tu cherches à vendre pour eux gros. Pour et tu leur demandes un blanchisseur,
pour blanchir l'argent que tu te fais en vendant pour eux, et tu leur dis pas plus. Juste ça, t'as vu? Et nous, ouais, on filera de l'argent sale, que tu feras genre c'est tes ventes, et puis voilà quoi. C'est ça, te demande ce même pas de point, juste un contact, voilà, qui te blanchit. S'il faut, je vendrai avec toi. Hein, le problème, c'est pas ça. Dis-moi. C'est que moi, je veux pas vendre le tout seul. Ça, c'est mais tu seras pas tout seul. Hein. Tu seras pas tout seul, hein. Non mais tu nous as pris pour qui? On n'est pas un groupe où on lâche nos gars. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi le premier qui lâche quelqu'un, il est mort. C'est pas ça que je veux dire. Justement, ce que je veux dire, c'est si je pense à ça, c'est pour qu'on puisse tous travailler en même temps et pas vendre le juste pour le. Ça c'est la lien. Mais on va travailler en fait. En fait, tu vois, genre par exemple, tu vends et je vends. Nous deux, on vend. Les trois autres, ils s'occupent des armes. On fait tous quelque chose en même temps. Et on blanchit l'argent en passant par toi. Ça sert à rien que j'aille parler avec les magos. J'ai plus intéressant à vendre. Ah ouais? Bon. Non, tu nous as parlé, je crois. Oui. J'ai plus intéressant à vendre, j'ai un contact. Mais là, perso, on est 8. On est 8. Tu vas voir les magos. Écoute, j'ai un petit truc. Tu vas voir les magos. Attends, parce que lui, il commence à me gonfler. Ouais. Bah, il l'a pas volé, hein. Ah putain! Voilà une chaos technique! Ah, accroché à l'italienne! Non, il a mis la même gifle que moi tout à l'heure. Ah ouais. Putain, le pauvre, il s'est pris qu'une. Ouais, et bah lui là? Attends, c'est lequel? C'est lequel tic déjà? C'est lui ou c'est lui là? C'est lui là. Lui là? Lui, il a pris un level, mon gars, il est tombé comme une melde. Mais non, ouais. Mais du coup, non, ça sert à rien. Blanchi seul, je peux l'avoir. Non, je peux l'avoir autrement que les vagos. Ouais, mais regarde. Non, je peux tu vas voir les magos. Non, je peux l'avoir d'une personne plus seule. Ah mais regarde, écoute-moi. Tu vas voir les magos. Tu leur demandes de travailler pour eux en tant que... Oui. Il y en avait trois là, mec. Il y en a que deux qui sont partis. Non, ils étaient, ils étaient deux. Deux sur le scooter. Il n'y en avait pas un autre qui arrivait. Ah si, ouais, il y a un... Attends. Ah oui. Ouais, je crois il y a un scooter là encore. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ouais, il y a le scooter là-bas. Ouais, il fait un petit saut de câblite, un chewing-gum. Tu parles à qui comme ça, toi? Je parlais à Jake. Ouais, t'as dit quoi? J'ai pas écouté. Je t'ai pas poussé. Si, tu m'as poussé. Pour quelqu'un que tu veux pas qu'il te pousse, tu te colles bien. Hein. J'avoue. Où y'a personne? Vous parlez tous à voix basse? Bah, bien sûr. Ouais. Bon, bien sûr, y'a personne. C'est sur le toit à toi qu'il faut poser la question, t'oublies souvent. Mais ouais, mais moi j'y ai pensé. Ouais, c'est bon. Mais les là, affaires, c'est les affaires. Et attends, du coup, t'avais un truc à proposer, John. Ouais, mais j'ai très soif pour commencer. Ah, bois un coup. Bah, faut boire. Et je vais aller voir la mère si elle peut me donner un peu. Tiens, tire la lampe sinon. On fait chier là, tous des michetos là. Bah, mais j'ai pas de sous. Oh, j'ai jamais rien demandé. John, c'est une grosse michto. Ouais, bah, Monokuyo aussi parce qu'il veut qu'on lui paye le coiffeur. Ouais, tiens. Non, là, merci. Faut que je trouve un gars qui me dépanne 11 000 dollars. On n'a peut-être pas les mêmes problèmes aussi, Bob. Oui, de quoi? Moi, je suis un gangster jusqu'au bout, tu vois. Ah oui. Non, c'est pour ça que j'ai plus de sous. Lui, il a pile des agios, lui. Ah, moi, c'est... Là, ouais, les agios, ils ont monté à 1002, là. Du coup, j'ai contacté le banquier, il m'a pas répondu. Et du coup, l'avocat m'a dit de faire une demande de prêt à un gars, à l'unicorne ou un truc comme ça, quoi. Il signerait les papiers, il arrangerait le bail. Après, je vais payer des intérêts, mais je crois que j'ai pas le choix. Parce que 1000$ par jour, c'est de l'escroquerie. Hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Bah, 1000$ par jour, attends, tu te rends compte? Mais par jour. Explique pour ce que tu veux pour les vagos. Ouais. De ouf. Du coup, on est 8. Tu vas voir les vagos. Tu leur dis de bosser pour eux. T'es 2. Tu dis que vous êtes 2 à bosser pour eux. Vous vendez. En plus de ça, t'as un autre contact dans un truc un peu plus gros. Il y a 2 autres personnes qui le font. Moi, j'ai un contact sur la bœuf. Il y a 2 autres personnes qui le font. Et on est tous en train de travailler et on ramène tous de l'argent sale. Et là en plus on a toutes les drogues. Non alors oui je comprends ce que tu veux dire. Pas le compte. Si c'est pour le faire ça, je vais pas voir les vagos, ça c'est la lien. Pourquoi? De ce que j'en sais, c'est le genre de personne. Si tu commences à te laver pour eux et que tu dis après j'allais te tout le jour la plaie, ça se passe pas. Ouais, comme ça. Ouais, ça c'est pas faux, ce serait la merde de ouf. Donc c'est pour ça, je t'ai dit je vais pas avoir le plus glauque que la coke. On pourra tous la le vendre. Et au moins on se fait pas chier avec les vagos. Surtout qu'en plus on avait le monopole. On a tout le circuit quoi. Ouais mais justement on oublie la coke. On fait plus glow que la coke.
Bah on a les armes, donc oui. Non mais faut, je crois que faut juste trouver le traitement. Moi j'ai la récolte, mais faut trouver le traitement. Oui bien sûr, mais déjà j'ai quelqu'un qui peut nous en amener pour l'instant. Après bah, là on est... Moi je suis là toute la journée. Après Bob s'en va à 18h, mais moi je vais zoner. Ouais non mais moi pareil. Oui, après moi, la mettre fait gaffe. Ce soir, moi hier, avant-hier, j'étais voir justement pour récolter de la mettre. Je suis tombé sur 10 murs de flingue. C'est pour ça que je te dis que j'ai quelqu'un et je pense qu'il est avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais ouais, si il est avec eux, je pense que je vais lui parler. Moi. Parce que bon, ils m'ont quand même tiré dessus avec un fusil à pompe. Hein. Ouais, c'est normal, on voit. Regarde, demain on est sur l'impôt en train de faire quelque chose, on voit quelqu'un libérer, normal, on lui fait, tire dessus. Contre. Mais bien non, sûr que vrai. Non. Tu protèges ta nourriture, ça va pas ou quoi? Tu vois quelqu'un qui ouais. Tu connais pas, il essaye de faire le demi-tour, bien sûr que tu lui tires dessus. Tu veux savoir le ah, qui c'est exactement ce qui m'est arrivé hier quand oui, je suis allé à la couture. C'est ce que te dis. Tu veux savoir le qui c'est? Les deux gars là que vous voulez embaucher là, ils ont quel visage? Ouais. Ils ont alors tu l'as déjà rencontré, c'est un blond qui travaille à la couture. Il est là d'ailleurs, Mike. Tu ils vois ont, lequel c'est non? Ils ont moi peut-être ouais. Monocouille parce qu'on était tous les trois. Il m'a proposé d'acheter une machette, okay. Je lui ai fait non, ça m'intéresse pas, c'est de la mêle, je veux plus. Ok. Et là, ça a blablaté pendant 30 minutes. Et là il m'a dit j'ai plus. Mais ça dépend. Et là que on, tu peut, on peut le rencontrer quand là? Là tout de suite je peux l'appeler. Mais par contre ce serait bien que vous vous rencontriez tous les deux au pire. Parce que là on est en groupe, on est un peu rodé quoi. Au pire tu vas faire un tour avec lui et puis vous parlez tous les deux. Après on fait un petit compte rendu. Mm-hmm. Parce que ouais, nous trois on est déjà flingue. Au courant des bails quoi. Faut après, d'abord que je trouve un flingue. Je peux... ouais. Non, ça c'est la lien. Après, mais tout seul avec un mec inconnu, non, je te garantis que je ne pas. Je viendrai avec toi, John. Ouais, il n'y aura pas de problème. Non, mais de toute façon, si nous fait quelque chose, les trois sont coulants de qui c'est. Et Monocouille et Tic ont son visage. Par contre, vous vous mettez d'accord sur un truc aussi. On a leur numéro de téléphone, leur nom, leur prénom, non, on a tout. Vraiment, là, pour le coup, je pense pas il qu'ils était pas la couture. J'ai même leur mail, les gars. Si, c'est les que j'ai vu. Ils cherchent pas la gueule, justement. Non, ils m'ont donné leur mail, ça fait une semaine qu'ils sont là. Ouais. Ils cherchent un groupe avec qui s'associer, et je pense qu'il faut qu'on y aille très vite, si on veut les avoir là avec. Ouais. D'ailleurs, ils ont la hanche des gangs, hein. Ouais, non, mais de toute façon, faut les laisser tranquilles, les gangs, même ça, là. Mais non, mais ils veulent vraiment pas entrer dans un gang. Ouais, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, ils ont pas. D'ailleurs, ils ont des traitements et l'école de certaines choses, donc ils ont peut-être le traitement de ce qui nous intéresse. Peut-être, ouais. Par contre, faut qu'on se mette d'accord. Merde, c'est quoi que je voulais dire? Yes. Parce que vraiment. Juste petit truc comme ça, si on peut éviter de faire de la coke, moi ça m'allonge les parce que... De toute façon pour l'instant ouais, la coke elle est morte. Hein. Ouais, mais de toute façon les gars la mettre c'est pareil, hein, y aura un gang dessus. Hein. Non mais c'est pas un gang en mode, c'est pas un gang de lui qui se lasse la mettre. Donc ça serait moins le problème, c'est que tu prends les vagos etc. Le balio c'est une usine, hein, y en a un qui meule, y en a 10 qui naissent. Ah oui, non, la mettre, c'est sûr, c'est pas un gang de rue. Hein. Je tombais dessus moi, je te garantis que non. Hein. Les mecs ils m'ont chopé, ils étaient même pas masqués ni rien. Hein. J'ai leur visage et tout. Il y en a un qui ressemble à Johnny Hallyday, c'est le français. Ouais. Non, c'est cool ça. Si on peut éviter la coque, ça se l'est bien parce que, genre, eux, on en tue un, il y en a 10 qui le poussent. Hein, un Johnny Hallyday? Mais il n'y a pas un gars qui ressemble à Johnny Hallyday qui bosse à la couture? Mais ça, il y en a beaucoup, tu sais. Genre... Cheveux longs, blonds, avec un bout. Regarde, on a bien confondu. De toute façon, je le reconnaîtrais. On a bien confondu Tic avec ta sale gueule quand il avait une coupe de monocouille. J'avoue. Ouais, mais j'ai bien fait de me changer, ok. T'es plus beau là... comme ça, Tic. Ouais, moi, faut arranger là. Je sais que je suis magnifique, arrêtez. Ouais, ah, ouais, tu me fais plus que bandé. Trop de con. Non, mais ça m'étonne pas, Bob. On va voir la salle d'appou. Et toi, parle bien à gauche. On va voir la salle d'appou. Non, la nièce déjà. Ouais, je sais plus, Tlo. Vas-y, je te suis. Vas-y. Tu vois personne, toi. Si, toi. Par contre. Toi, viens avec nous voir la salle d'appou, elle va t'apprendre à clier. Moi? Eh ouais, attends, Tic, t'as un ticket là, pas le compte. Hein. De quoi tu parles? Je bloque, faut que tu baisses le pantalon là. Mais attends, elle a dit tu vas voir le PSN toi. Non mais j'ai entendu. Calme-toi, par contre. Oui, mais laisse tranquille toi, tu veux quoi? Au pire, calmez-vous tous les deux. Au pire, on va tous se calmer, je pense. Et toi aussi, calme-toi. Ça marche, mais on va tous se calmer. Tu lui dis de pas aller quelque part, il est pas avec toi pour l'instant, il est libre. Alors laissez-vous tranquille. Bon. Pour la peine, je vais aller me branler, vous allez pas me péter les couilles. Si tu veux pas qu'il aille quelque part, tu lui dis je veux de toi, il est là nulle part. S'il va quelque part, je lui coupe la bite. Si tu veux aller te branler, il y a une voiture là-bas. Bon, vas-y, bref, on fait quoi là?
Bah, moi je vais aller au coup petit et puis après. Donc faut choper l'autre. Nous, ouais, ouais, ouais. Clairement. Il faut lui parler. Je vais appeler Mike, on va le plaindre dans une voiture. Deuxièmement, après, il va falloir qu'on trouve aussi qu'est-ce qu'on est, quoi. On est quoi ? Ouais. On est des malabous. Il va falloir trouver un nom, savoir tout. Il va falloir trouver un petit QG. Donc ouais, ça, surtout, il va falloir se déclarer, je pense. On est combien ? Bon, on est, bah, pour l'instant, on est 5. Plus les 2, bah, 7. 17. Ouais, 7, c'est bon, on n'a pas besoin de se déclarer. Non, après, faut de la voile comment il est, le deuxième, le TAC, là. Mais pour l'instant, laissez tomber TAC, faut que je voie avec lui, mais pour l'instant, laisse tomber. Moi, TAC, pour l'instant, je suis désolé, c'est ton frère, mais je le connais pas. Ouais, je préfère d'abord le rencontrer. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète. De fou. Ensuite. C'est pareil pour leur frère à eux. Hein. Hein ? Pareil pour leur troisième frère. Hein. Ah oui, c'est pareil, hein. Moi, mais les temps que je connais TAC, pas. TAC, faut voir pour après les fêtes, je pense, parce que pour l'instant. Ouais, c'est tranquille. Ouais, normal. Donc, va falloir trouver un nom, va falloir qu'on sache qui on est exactement, parce que c'est bien de prendre des gars, mais qui on est. D'ailleurs, j'ajoute juste Tic sur le mail, peut-être. Ouais, tu peux le mettre sur le mail, ouais, y a pas de problème. De toute façon, il dit ça parce qu'il a kiffé ma musique, c'est tout. Ouais, bah allez sur le mail, t'inquiète. Après, je me la pète pas. Oui, tu te la pètes trop. Oui. Un petit peu, hein. N'importe quoi. Ah, tu peux te la péter, hein, tu chantes bien. Bah en fait, j'ai juste une voix de ouf en fait. Tic, faut que tu sois mon copain là pour que je puisse t'ajouter. Mais t'es déjà mon copain, tu sais. Non, vraiment, faut que je suis non, le mec. Non mais t'inquiète, j'ai vu. C'est bon, t'es mon copain. Ouais, j'ai un nouveau copain. Yes. Moi j'en ai deux. Pourquoi tu me regardes comme ça toi ? Un copain de plus. Et toi, laisse tranquille avec Tic, hein. Ça va pas le faire, là. J'ai l'impression qu'elle s'énerve un peu trop contre moi, là. Ça me fait un peu mal au cœur, en fait. Ah, d'accord. Ah bon ? Tu t'es brisé le cœur. Ouais, vas-y, donc du coup, là, pour finir. Oui, on t'écoute. Ah, d'accord. Ouais, du coup, pour finir, faut trouver un nom. Du coup, faut savoir qui on est. Va falloir désigner un chef et un sous-chef aussi. On va falloir faire soit des votes, soit quelque chose. Le chef, c'est Monokui. Donc il va falloir trouver un chef obligatoirement, un chef surtout juste dans les affaires, après pas dans la vie de tous les jours, mais dans les affaires. On est d'accord pour dire après, c'est moi. Après hier, j'ai bien démerdé pour parler avec eux, mais le souci c'est que pour être chef, faut quand même être actif ultra souvent. Alors, faut quand même être en ville souvent. John, je suis pas d'accord sur ce que t'as dit. Là entre nous cinq, c'est sûr, il y aura pas la pole de, on va dire, de chef et sous-chef et ce que tu veux. Mais pour non, mais un chef. Je te parle pas d'un chef. Je te parle pas d'un chef qui dit toi tu fermes ta gueule, toi tu pars, toi tu fermes ta gueule. Oui, non. Oui, un chef qui monte les coups par exemple. Par exemple pour mais un braquage, faut quelqu'un qui dise bah tiens là il faut un guetteur, là il faut ci, là il faut ça pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça. Si tout le monde parle en même temps, toi on peut pas faire bien un truc propre. Après, c'est ce que je veux dire. C'est surtout pour ça que je veux un chef moi. Après ce que je veux te dire c'est que il faut quand même une petite hiérarchie même. Même sans ça, c'est bien de structurer la chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais ouais, il faut quelqu'un qui propose l'idée donc en tant que chef et après discuter avec ses gars, quoi, normal. Voilà, après quand on est entre nous 5, par exemple... Pardon, enculé. Pardon. Ah, elle a claqué celle-ci, ouais. Je suis désolé. Oh, il mérite, hein, depuis tout à l'heure. Il pleure. Ça regarde, j'ai vraiment pas fait exprès. Ouais, deux fois, et hier soir et maintenant. Tu continues. Tu vois, regarde, les vagos sont un chef, les familles ont un chef, les balas sont un chef, le cartel a un chef, la mafia a un chef. C'est nous, on devient un truc, il faut un chef obligatoirement. C'est ce que je te dis, il faudra structurer un minimum de trucs. Après, quand on est entre nous, on s'en fout, mais genre, les nouveaux qui viennent pas faire le fou avec, par exemple, lui, pas le tel, si c'est un chef. Parce que je vais lui couper la bite. Voilà. Là, il faut que quand le mec il vienne, les deux, là, il faut qu'ils sachent qu'il y a un chef. Ouais. Un chef et un sous-chef. Toi. Ouais. C'est obligatoire, de toute façon, dans un groupe. Sinon, le groupe partira, il tiendra pas longtemps. Il y a un chef et deux blas droit. Sinon, ça. Voilà. Sinon, il y a un black qui est mal équilibré. Voilà, au pire, on peut faire un truc comme ça, quoi. Voilà, moi, c'était tout ce que je voulais rajouter. Oui, non, mais ça, c'est la suite logique des choses, hein, de toute façon. Ouais, mais il va falloir se bouger, parce que si on devient 7. Après, moi, je peux. Là-haut, je pense qu'ils ont besoin d'un dossier, je peux faire. Un peu de dossier, éclile et tout, mais il faudra colliger l'éclitule et mettre la folle. Je peux m'en occuper de ça, si tu veux. Ouais, bah voilà. Après, on se mettra tous dessus pour mettre tous les infos et tout, c'est pour ça.
C'est ça. Il faudra qu'on se pose tous sur le mail. Et... C'est pour ça que pour le dossier, il faut un nom, une organisation et un chef. Oui, parce et deux bras droits. Il y a un petit truc pas mal là pour le faire des dossiers, c'est le GDoc là, et on peut tous écrire dessus en même temps et tous voir ce que fait l'autre. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, faut pas un objectif. Pas non plus. Ouais, on peut trouver un objectif. Hein. L'objectif c'est simple, hein. C'est de baiser tout le monde. Hein. Ouais. C'est d'avoir c'est d'être le plus haut. Hein. C'est d'avoir les flics qui ont peur que nous, les vagos ont peur de nous, il faut qu'on soit meilleur que tout le monde. Hein. Après, c'est ce qu'il aurait fallu qui serait cool, c'est ce que je disais avec Mike hier. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui soit ancré dans une entreprise haute que du temps partiel. Bah moi je recherche. Mais toi, les taxis, ce serait cool que tu rentres. Hein. Et moi c'est pareil, c'est juste que bah moi j'ai fait bonne figure à l'autre là. Ouais, moi j'ai parlé avec le patron, avec Rodriguez là. Ouais. Mais il m'a demandé mon CV et... Sur le mail, mais c'est juste que j'ai jamais fait de CV, du coup, ça, voilà on quoi. On dit cela tous, t'inquiète, ça se fera avec le temps, parce que les places sont chères en CDI, tu vois. Ouais. Après, moi, je sais que, personnellement, taxiole, ça m'intéresse pas, ils peuvent aller se faire enculer. Ah ouais moi, ça m'intéresse, parce que au moins, tu vois, tu montes, tu entends des choses, tu as tout ça, quoi. Exactement. Oui, c'est sûr. Moi, je préfère... On te demande de faire des choses, dans tous les cas, t'es dans le cadre du travail, donc tu fais... Pouf, tu récupères des gars après un braquage, après des bails et tout, donc oui, bien au moins tu vois toutes les têtes et c'est cool. Mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'on soit tous dans la même entreprise. Exact, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait qu'il y ait au moins une personne. Limite qu'on ne voit pas tant que ça ensemble, de toute façon. Moi j'ai dit taxi, je pense que j'ai fait une bonne figure, parce que l'autre il a dit à son chef comme quoi que j'étais bien habillé, machin, ah, petit, cool. Machin. Donc peut-être que... Là je me suis inscrit sur le site là. Ça tic, c'est compliqué, on aime bien tous seul-t-il ensemble et tout, donc oui, non mais je suis d'accord. Mais par exemple, moi là tout à l'heure, genre je vais aller voir Jordan et je vais rester un peu avec lui parce que. Ah oui, bien sûr. Bah, non, mais c'est même pas parce que genre c'est mon pote ni rien, c'est juste pour pas qu'on me voit genre vraiment tout le temps avec vous. Ah oui, bien et sûr. Et surtout faut, que lui, je crois, il commence à se douter de trucs, tu vois, et genre c'est pas ce qu'il faut du coup. Oui, de toute façon, on a tous une vie, hein. On a tous une vie oui, extérieure. Ouais, hein, mais, ouais. Mais par contre, quand il y en a un qui appelle à l'aide, il faut y aller, obligatoirement. Non, surtout, ouais, c'est surtout que Jordan, je dois le garder. Et moi là-dessus, je serais indulgent. Ah bah oui. Indulgent. Ouais, j'ai bégayé. Ouais, t'inquiète, tranquille. Non, là-dessus, ouais, je serais très méchant. Bon, d'ailleurs, normalement, j'ai mon gun aujourd'hui. Ah, moi, faut que je passe pour l'avoir aussi. Hein. Bon, ok, bah, si on est tous d'accord, on réfléchit à tous de ça, puis on en parle par mail. Yes. Parfait. Carrément. Mais il faudrait qu'avant que les deux gueutos là ils rentrent chez nous, qu'on ait au moins désigné un chef de bras droit, au moins ça. Pour que eux ils sachent à qui on parle quoi. Voilà voilà. Bah tu veux te poser vite fait et faire ça avant d'aller lui parler, comme ça on lui pose déjà les trucs sur la table. Ouais de ouf. On peut, vas-y. Après. Mais je sais pas s'il faut faire une sieste pour ça faut ou. Que j'aille... Ouais, on peut faire ça sinon. Ouais, je pense qu'on peut peut-être faire une sieste. On fait une petite sieste. Si on est là à rien faire, je pense que y en a, le dieu là-haut, il va pas être content. Oui, mais de ouf. On fait une petite sieste vite fait, là, on se parle pas le mail, on voit ça, et après okay, on va rencontrer l'autre, là. Ok. Ouais, après, on rencontre l'autre. Moi, je vais essayer de me trouver un petit coin chaud, tu vois, parce que ça caille. Moi, je viens avec toi, comme ça. Dans la voiture. Comme ça, toi, tu me connais, lui, il me connaît, et tout ouais, se bien après, comme ça, tu vois. C'est le meilleur des plans, je pense, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, sinon l'organisation tombera au bout de deux semaines. Hein. Et bien sûr. Mais oui, mais ça faut pas, tu vois. Moi, j'ai dit, j'étais dans une autre vie, j'étais dans un gang, donc je sais comment ça marche. Ouais, et moi aussi, je faisais la mettre dans la caravane. Sauf que dans l'autre gang, il y avait deux chefs, c'était le bordel, par contre. Ouais, ça sert à rien. Ah non, c'est vraiment un bordel. T'as le chef et t'as les bras droits qui sont appelés. C'est quand, ça. Quand entre nous, on fait pas forcément de distinction de glade, mais. Ah non, entre nous, de toute façon, on est les 5 ans. Voilà, moi le coup, je l'ai rencontré en plein dans l'illégal. En plein braquage. Le mec, je le connais pas, on l'a emmené en braquage. C'était beau. Tic, toi, t'es le poteau à Bob, donc bon, voilà, donc c'est pareil. Hein. Bah, à la balle, je sais même plus lequel c'est que j'ai rencontré en premier. C'est Monocouille que t'as rencontré. On s'est rencontrés, on a passé la journée ensemble. Tracy, je vous expliquerai par mail. Non, mais Tracy, ouais. C'est très clair. Je vous expliquerai par mail dans le groupe. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment. Non, Lien, t'inquiète. Non, mais j'ai pas entendu ce que. Non, Lien. T'es en train de piétiner le mort, là. Ouais, on s'en bat les couilles.
Mais quoi, je l'ai pas dit que j'avais pas de couilles, j'ai dit que t'étais la femme de tout le monde dans le groupe, c'est tout ce que. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va, je te fais chier là. Putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, il va falloir qu'on se donne des petits surnoms, hein, comme on disait hier, hein, mais il va falloir qu'on les retienne. De toute façon, moi, ça sera... pendant... Une fois que tu seras officiellement actif, j'allais essayer de te faire le chier comme ça. Moi, tous mes contacts, ils savent que je m'appelle Tony, donc pour moi, c'est ça. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, j'ai dit, alors, du coup, je peux vous le dire, j'ai un contact en tant que Familiz. Ok, c'est cool. Moi, j'ai un contact en tant que Vagos. Vous avez tous les deux des Vagos, là? Non, c'est Bob qui a les Vagos. Toi, t'as un EMS, Tracy. C'est un médecin, je crois. Moi les gars c'est tout con, hein. Mais avec l'histoire du label en ville, je vais peut-être avoir un contact, hein, dans l'un des gangs. Quel label ? Lequel ? Parce que bah, y a le label là, qui m'a contacté et qui veut qu'on se voit, c'est des gars qui traînent au niveau de Davis Street, au niveau des gangs. Et donc c'est sûrement un gars qui fait partie d'un des gangs, et donc il y a moyen que je l'ai en contact. Ah, pas oublier que quand t'es contacté par des gens comme ça ou quoi, t'es tout seul. Hein. Ouais, non mais t'inquiète, je fais gaffe. T'es tout seul, sonne tout seul. Il y aura toujours du monde derrière toi. Ouais, c'est ouais, ça, il y a la radio, mais... Non, mais t'inquiète. Après, quand tu fais des trucs comme ça, tu rencontres des personnes, faut toujours t'en parler à nous. Ouais, faut prévenir par message ouais. au moins. Ouais. Que nous, on sache où tu vas à peu près, quoi. Ouais, de toute façon, si je dois rencontrer quelqu'un, ça sera au coiffeur de bah, prix de Groove Street. Bah, je dois aller au coiffeur, de toute façon. Ouais, mais c'est pas maintenant que je dois y aller. Ah. Bah, de toute façon, on va faire une petite sieste. Ouais, et après, ouais, ce serait bien que tu changes ta coupe, ouais. Ah ouais, parce que là, en termes de crédibilité, ça va pas le faire. Non, pas mais tu sais, et avant que tu ouvres ta gueule sur ma gueule de Monoku hier, les deux gars, ils y avaient pas fait gaffe, hein. Non, c'est vrai, ils me prenaient un peu au sérieux, et puis là, Bob, il a glissé un Monoku, et puis après. Mais c'est parce que tu sais que même quand tu vas changer de coupe, on va t'appeler Monoku. Ouais, hein. C'est sûr. Ouais, mais c'est sûr. Ça. C'est... Ouais, je crois que ça va rester, hein. C'est comme Tic, on l'appelle là. Il le faut. Ah, c'est qui en appelle là? Non, je me suis raté. Comment ça tu t'es raté? C'est moi qui ai invoqué la puissance du mail par erreur. Ah, la puissance sacrée du gros, la puissance. On fait quelque chose là parce ouais, que... Ouais, on va faire la sieste. Ouais, on va faire la sieste, on va dormir, on va te calmer. Un petit chemin de traverse là-bas là. Vas-y, on va faire ton show dans la bagnole. Allez. La voie 9-3 quarts c'est mieux. Ah ouais, Monoku il va dans le mille avec Tessie quoi. Non. Alors, je coupe la GoPro là, les gars. Je vous remercie à tous d'être venus. Ciao, les gars.